C'est un jeu qui nécessite un avertissement, je vais le mettre en visuel. D'ailleurs, je vais enlever du coup Google Chrome parce que hop. Qui nécessite un avertissement. Yes, le son est top, merci, c'est cool. Ça, c'est. J'ai quand même galéré pour le mettre en place. Ok, il se lance. Omori est en train de se lancer. Je vous rappelle du coup, Omori est nécessairement avec un avertissement. Je mets l'avertissement dans le chat comme d'habitude. Je vais mettre l'avertissement visible tout de suite en haut. Vous pouvez le voir là, quelque part là, voilà. Et du coup, ça traite. Donc comme j'ai déjà dit, je vais mettre à jour au fur et à mesure cet avertissement. Pour l'instant, on en est sur... C'est un jeu d'horreur psychologique. Donc déjà, l'horreur et l'horreur psychologique, c'est très particulier. Ça va toucher donc, du coup, potentiellement des traumas chez certaines personnes. Ou même juste de la peur, ce qui est déjà beaucoup. De l'inquiétude, enfin bref, tout ce genre de trucs-là. Et donc là, spécifiquement, de ce que j'en ai entendu et de ce qu'on a vu, et donc ce qui est écrit aussi dans, en visuel là tout de suite, ça, les sujets sont la perte, la dépression, le suicide et l'anxiété. Je vais rajouter au fur et à mesure. Donc si jamais Tomato Jules, tu es touché, ou n'importe qui est touché par ce sujet-là, je vous conseille pas trop de regarder, ça ne sert pas. Enfin, ne vous faites pas du mal à regarder un stream qui ne vaut pas grand-chose autre que d'être cheap et en plus de vous faire du mal à vous-même. Ce n'est qu'un jeu, mais votre histoire est peut-être plus importante. Donc, du coup, faites attention. Ok. C'est sans doute plus important. Je précise. Voilà, donc l'avertissement est partout, c'est plutôt joli, c'est aussi pour ça pour lequel je joue, et ensuite, je vous rappelle que ça dure 20 heures, que je veux quand même des vacances, et donc on va aller assez vite. Je vais vous rappeler bien entendu le système de jeu, et j'ai vu qu'il y avait un Larsen dans le fond du jeu, voilà. Et que du coup je vais pas mettre tous les écouteurs parce que c'est un peu prenant pour moi. Donc, on joue en équipe. Cette équipe-là est donc Omori qui est en noir et blanc, Aubrey, Kel et Hiro qui nous accompagnent. Au début du jeu, on arrive dans le White Space qui est donc l'endroit où Omori est. Ensuite, on peut traverser ce White Space et passer par une porte où on retrouve Aubrey, Kel et Hiro. Il y a sans doute un petit jeu entre des personnages qui sont illusoires, on va voir. Ensuite, on traverse un monde où on rencontre Marie et Basile. Marie qui est ici, qui nous fait des pique-niques de glace, là par exemple. Je vais traduire, hein, mais là pour l'instant vous savez que c'est juste on mange pour pouvoir récupérer de la vie. Donc ça je me rappelle pas si je l'avais fait, mais voilà. Autre chose, on peut sauvegarder aussi sur le pique-nique. Ce qui est très étrange, c'est que justement, tout est plus ou moins bizarre dans le jeu, mais ça me trigger un peu le fait que Marie est là, souvent devant nous, ce qui est très étrange, et surtout que on a aussi perdu Basile, et ça c'est l'histoire de base, c'est qu'on a perdu un ami qui s'appelle Basile, on peut d'ailleurs je crois qu'on peut le voir dans le... qui est photographe lui. Je pense qu'on peut... je sais pas si on a son livre. Non, on n'a pas son livre. Mais on peut voir ça dans les photos. Alors, je regarde si on a les photos. Non. On rencontre plein d'ennemis qui sont des petites bestioles. Voilà, je vais vous montrer. Hop, donc c'est souvent des lapins, hein, étrangement. Il y a un tueur de lapins qui est une fleur, une feuille d'ailleurs. Et qui veut qu'on tue plein de lapins. Ils sont tous mignons, les méchants. T'as pas vraiment envie de les taper, mais bon, ils t'agressent un peu. Ils te courent comme dans Pokémon en fait. On a des moyens de se protéger en faisant justement une attaque qui est un système de pierre feuille ciseau. Donc si vous connaissez un peu le pierre feuille ciseau, c'est chaque geste gagne sur l'un et perd sur un autre. Et donc c'est un peu le même système, sauf que c'est avec des émotions. Ces émotions-là ont des caractéristiques particulières. Donc c'est être triste, être heureux et être énervé. Et du coup, on a des défenses augmentées, des attaques augmentées, baissées, ou des vitesses, voilà. Donc, ce qui est important, c'est que
Là, par exemple, on vient de sauver notre capitaine pirate dans le dernier, live, la dernière vidéo. Et du coup, on ne sait plus exactement ce qu'on fait pour l'instant, à part qu'on cherche toujours Basile. On a sans doute des mini-quêtes à faire, d'ailleurs. Je vais regarder dans les importants. Donc ça, c'est le self-help. Alors, self-help, qu'est-ce que c'est déjà ? Donc c'est le bouquin pour pouvoir s'aider. Ah oui, ça réapprend tout. Donc ça, c'est tous les tutos. On n'en a pas forcément besoin. Ok. Et je vais devoir tout traduire. Donc il faut que je me mette en place. On a des pièces de puzzle à trouver. Pour l'instant, on n'en a pas trouvé beaucoup. C'est à ramener au parc. Il y a le train aussi qu'on doit essayer d'avoir. Ça, pour l'instant, on n'y arrive pas parce qu'il y a une dame qui s'embrouille avec le... Avec le mec qui nous file les tickets. Et en plus, il y a une queue de malade. Donc on peut pas faire grand chose. La dernière fois, je vous rappelle que je devais faire hors ligne tout le petit passage de d'aller donner à la machine à recycler tout ce qu'on avait récupéré dans la déchetterie. Donc la déchetterie pour nous c'est fini. Normalement on est censé aller du côté du lac gelé, mais on a déjà récupéré, on a déjà mangé des glaces avec, avec le capitaine pirate. Donc on devrait normalement... Là je vais faire que courir hein, parce que j'ai pas 20 heures. J'aimerais bien avoir des vacances, donc du coup j'ai pas 20 heures. Du coup la musique, ah oui c'est ça, fallait que je vous dise. J'ai trouvé la musique. Donc ça, c'est Feel Good Inc, je crois, de tête. En tout cas, c'est du Gorillaz, la musique là qu'on entend. Je vous laisse écouter. Le... Voilà, donc ça, c'est du Gorillaz. Et la musique, du coup, de, la machine à recycler, j'ai toujours pas trouvé. Donc si tu as une idée, Tomato Juice, tu me dis. Est-ce que j'ai un truc à recycler là? Je ne crois pas. On va vérifier dans les poches. Computer part, non. Si. Voilà. On va faire le. On va donner les parties de. Alors écoutez bien. Donc pour moi, alors je vais vous donner mon avis, mais vous me dites si c'est bon. Hein. Pour moi, ce son-là, c'est un son de Détroit. Alors je sais pas lequel encore, mais c'est un son de Détroit. J'ai l'impression que quand on a fini... Ouais, c'est de la tech, c'est le début de la techno en fait, parce que c'est le retour de la musique électronique du côté de... Enfin le retour, le passage de la musique électronique... chez des gens de Détroit, et du coup ils ont rendu un peu plus funky les choses. Je ne sais pas laquelle. Je soupçonne à Plastic Beach, oui c'est possible. Ouais. La petite guitare, ouais, c'est possible. Et je me rappelle plus de la chanson en fait. Hein. Je sais que c'est un Gorillaz, mais. Ouais. Du coup là c'est notre moyen de transport qui est une lune qui vole. Non, c'est Pluton, c'est une lune. C'est Pluton, notre satellite perdu. Et du coup, la musique de Détroit, je dirais que c'est A Number of Names, qui a des super bons sons. On va aller dans la forêt vaste, on va voir ce qui se passe. Et voilà, et on va continuer au Mori tranquille. On va essayer de retrouver le train, repasser au train pour voir ce qui se passe là-bas. Merci Pluton, Pluton avec des bras, bien entendu, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les fleurs aussi qui... En fait, on avait remarqué, parce que Basile s'occupait des fleurs ici. Et il y avait des fleurs qui se fanaient. Alors, je regarde un peu... Ouais, mais là, elles sont dans un sale état, faut qu'on arrose, là. Oui. Il faut qu'on arrose tout ça. Non, mais comment on arrose? Comment on arrose? C'est quel bouton? Non, mais c'est pas possible. Moi, je veux arroser, moi. Faut que j'aille chercher de l'eau? Comment ça se passe? Il est équipé, là, ou pas? Non, c'est pas lui, c'est...
Alors attention, peut-être que c'est Y. Je me rappelle plus comment on arrose. Je sens que c'est très important parce que en fait le truc c'est que si Basil revient et que. Et qu'on peut pas arroser ses plantes, c'est compliqué. Bon. Donc lui, Basil, il habitait dans sa chaussure. On va aller voir du côté de chez Basil d'ailleurs. Là ça a l'air d'être bien, là ça a l'air d'être bien. En fait on a les tulipes là qui sont en train de die. Les cactus ça a l'air d'aller. Non les tulipes elles sont ici, donc c'était les roses en première. J'ai l'impression qu'on peut pas faire grand chose, soit faudrait que je récupère de l'eau. Donc Marie est toujours là et elle nous donne des fruits ici. C'est là où j'ai commencé à un peu avoir... C'était très étrange de voir Marie à ce moment-là. Sachant qu'elle était dans le parc, et dans le parc à la limite c'est logique. Peut-être qu'il faut, peut-être que je cherche de la logique là où il faut pas. Donc là, je reviens à l'endroit où Basil a disparu. Et là, il y a un trou. Basil a eu une sorte de crise, en fait. Ce qui nous a, nous, emmené dans un monde qui n'était pas celui-ci. Où Omori était esselé. D'ailleurs, il s'appelait Omori. Non, je ne crois pas, d'ailleurs. Il avait un autre nom. J'ai donné un autre nom à Omori. Parce que c'est à ce moment-là où on donne un autre nom à Omori. Donc voilà, on est sans doute, qui avait l'air plus réel que celui-ci d'ailleurs. Donc on est sans doute dans un imaginaire de quelqu'un qui n'est pas le... qui n'est pas en bonne santé en tout cas. Donc on va voir comment ça se déroule. Parce que ce n'est pas que... que de la solitude. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé dans la première partie, ce qui était un peu déjà... Ce qui a déclenché tous les triggers de l'avertissement d'ailleurs, hein. Donc n'hésitez pas à ne pas être là. Hop. Donc là il est heureux, logiquement je devrais faire en sorte que tout le monde soit malheureux. Donc pour vous rappeler, c'est Omori qui peut rendre tristes les gens. Mais on est trop bourrin pour eux, les lapins en tout cas. Donc en fait, sans déclencher aucune émotion, je peux gagner très facilement. Donc on va continuer comme ça. Alors. Mais non, mais je veux pas me battre contre des petites pousses, moi. Donc là, ce qu'on voit, c'est la possibilité de combo. Toutes les interactions en fait, qu'on peut avoir sont affichées avec des bulles. Ces interactions-là sont spécifiques avec qui on interagit. Et on peut attendre, à partir de 10, on peut faire des méga combos. Ah, mais ça, c'était pas ouvert, je crois. Bon, je suis pas allé par là. Je sais plus. Ah oui. Voilà. C'était par là qu'il fallait. Donc ça, c'est un bulbe dur. Tu peux entendre quelque chose... essayer d'en sortir de l'intérieur. Voilà. Du coup, il faut que je puisse libérer ce truc-là. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Non? Attends, je crois qu'avec Aubrey, je peux donner un coup de tête. On va essayer avec Aubrey. Non. Du coup, c'est pas Aubrey. Peut-être héros. Donc là, en choisissant quelqu'un d'autre... il a des capacités en fait par rapport aux objets qui sont dans le monde. Kel. Mais Kel, je crois qu'il fait pas ça, moi, de ce que je me rappelle. Il fait pas ça. Compliqué, hein. Parce que là, en fait, on peut stab, je crois, avec. Ouais, on peut couper la plante avec Omori, mais j'ai pas l'impression que c'est par ici qu'il faut passer. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu bloqué, qu'on va chercher longtemps. J'ai pas envie. On va aller au train. Non mais non, pas le lapin. J'ai pas envie de tuer des lapins tout le temps. Ah oui, il a plus de défense quand il est triste ou lisse, ça. J'ai perdu ma note. Hein. J'avais une petite note avant pour pouvoir me rappeler de tous les... Parce que je suis déjà pas super fort à Pierre Feuille Ciseaux, donc... j'ai du mal à jouer... le mind game de Pierre Feuille-Ciseaux. À part mettre la pression aux gens, c'est pas très... Ah, on n'est pas passé par là, je crois, aussi. Parce qu'en fait, alors, je vais essayer de vous montrer la carte du monde. Là, comme ça, on va comprendre. La carte du monde, c'est... Parce que je sais qu'il y a des touches qui fonctionnent pas avec la manette.
Et donc du coup, je crois que c'est ça la map. C'est... Non, c'est pas ça. C'est quoi la map déjà? Équipe. Bah du coup, ça devrait être dans la poche. Important. Non. Je sais plus. Je sais plus, je vais regarder les contrôles. La map. Ah, LB et RB fonctionnent. Ah, est-ce que je suis bête? Attendez. Ah oui, voilà, la map est sur RB. Donc là, normalement, on devrait aller du côté... Alors, soit on va du côté... On va vers le pont, mais je pense que le mieux, ce serait d'aller vers le château. Ou vers les... En fait, il faudrait trouver une autre échelle du côté de la droite. Je pense que c'est ça. Et du coup, le royaume, je crois qu'on peut y avoir accès uniquement grâce au train. Donc, s'il y a la queue encore sur le train, il faut qu'on aille de l'autre côté. Je crois que c'est là, le train. C'est ici. Non. C'est quoi, ça? Je suis jamais allé aussi, ici. Ah! C'est comme dans Zelda. Du coup, c'est une pierre maligne. j'ai donné des conseils solides en échange... Ah, je donne des conseils solides en échange de thunes. Bah, je veux un good advice, ouais. J'ai claqué énormément, je crois. J'ai pas regardé. J'avais 1400, de toute façon, au début. Ok. Voici ton conseil. Si l'opportunité te permet de ne pas donner des coups, tu peux toujours créer une porte. J'espère que ça t'aide. C'est sérieux, hein? On va toujours se taper contre les pouces. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, je vous montre... non. La passe à Omori, par exemple, avec Kel. Kel, il lance une balle. Et la passe avec Omori, en fait, il attrape pas la balle. Ça me fait toujours rire. On va appeler Kel avec Hero. Ah, mais non. Ben, c'est fini. C'est ça, trop vite, les combats. Compliqué. Hop, hop. Alors, oui. On n'a pas fait tout le labyrinthe. Faudrait peut-être faire le labyrinthe aussi dans ce... Parce que là, en fait, on fait le tour du monde, hein, en traversant par ici. Et là, il y a un labyrinthe ici. Donc, on n'a pas fait le labyrinthe. On va le faire maintenant. Parce qu'on est en perte de... On est en perte d'endroit. Ah, le labyrinthe ne va pas jusqu'où... Il y a des arbres dans l'eau. Ok. Et du coup, ça doit être... Donc là, on n'a pas encore le déblocage. Et il y a la lettre R là-bas. Ce qui veut dire qu'il faudrait que je sois en dessous pour débloquer cette sortie. Mais là, c'est qu'une sortie, au final. Ok. Donc là, quand je dis en dessous, c'est le monde en bas. Désolé pour le bruit de la bague contre la table. Du coup, on va aller... on va chercher notre échelle. Je pense que la deuxième échelle, du coup, elle est dans le coin. On évite cette pousse, là. J'ai pas envie de me taper contre elle. Depuis Underworld, j'ai pas envie de me battre contre 90% des gens. Bon, alors... Donc lui, il est heureux, il faudrait que je sois triste pour le battre, mais ça ira. Et je vais passer à Hero, comme ça je vous montre un peu l'interaction avec Kel et Hero, qui est souvent très vénère. Avec... Alors, du coup, dans le rapport de personnage, Kel fait office de soutien, en général. Aubrey fait office de tank, moi je dirais. Héros en tant que heal, donc du coup, tank c'est pour ceux et celles qui sont en première ligne et qui prennent le gros des dégâts et donnent beaucoup de dégâts. Et donc, du coup, le heal c'est justement donner de la vie à ces personnages pour pouvoir maîtriser le combat. Et là, on va donner à Audrey, du coup. Ah oui, donc c'est qu'une personne avec héros, c'est tout le monde. Et du coup, Omori, il est un peu en dehors du jeu, justement. Lui, il neutralise un peu les autres. Donc il est un peu très bourrin aussi avec son... C'est le seul à avoir un couteau, donc c'est un peu compliqué, quoi. Mais il y a un chien ici. Donc ça, c'est une niche, ok. De la bouffe. On peut pas rentrer dans la niche. On peut pas rentrer... Donc là, il y a un chien. On a entendu un chien, d'ailleurs. Il y a des os. Il n'y a rien, il n'y a pas d'interaction. Ok. Donc il faudrait sans doute trouver un chien.
On a des mini-quêtes, hein, mais là, on essaye de faire la principale. On a découvert pas mal de choses que je n'avais pas vues dès le début. Déjà, c'est pas mal. Ça serait pas mal aussi de trouver, du coup, de ce côté-là, la station. Pour que Pluton puisse nous déposer la prochaine fois. Et qu'on puisse faire des voyages rapides. J'ai aucun problème avec les voyages rapides, en général, dans les jeux, donc pas de problème. Alors, ça devrait être par là. Là, il y a des traces de pas. Donc, les traces de pas, je crois que c'est vraiment par là où on a déjà réussi à passer, mais je suis pas si sûr. Donc, on va vérifier. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, donc ça, on l'a déjà fait, parce que là, en fait, si on monte, on arrive directement sur la planète. Ouais, c'est la montée très longue. Mais c'est là où il a perdu... parce que Kel a perdu sa pierre, qu'il a... Hector. Et le truc, c'est que Hector est une pierre. Et en fait, pour Kel, c'est quelque chose de plus important. C'est quelqu'un d'important. Pour lui. Donc on verra si on retrouve Hector aussi, parce que c'est ça, il y avait cette idée-là, de trouver Hector, parce qu'on a perdu Basile, et on repère ensuite, très rapidement, un des amis, hein, du groupe en fait, au final, parce que Hector fait partie du groupe. Alors là, du coup, on va regarder la carte vite fait. Donc là, on était... Ah mais du coup, elle est plus à gauche, c'est à côté de... À côté, plus à droite, donc on va peut-être regarder... On va passer à Mori pour que je vous montre que l'interaction n'existe pas avec Mori. Ah si ? Ah ! Non ! Et il est heureux d'avoir réagi à cette balle. Je savais pas qu'il réagissait, c'est à cause du montage de niveau. Il réagissait pas là au début. Ah, c'est peut-être pas là. Ah oui, donc ça, là, on avait vu une sorte d'ombre aussi. Il y avait cette histoire d'ombre qu'on savait pas exactement qui c'était. N'apparaît plus depuis un moment d'ailleurs, parce qu'à la déchetterie il y avait personne. À part des boombox agressives. Et notre sponsor, la Fuite Jam, qui veut nous vendre des trucs à 300 boules. Donc là il y a une sorte de petit truc. Donc là normalement il devrait y avoir une sorte de déchelle quelque part ici. Là, on est passé à... Ah là 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 là... Bon, Hero et Kel, faites le travail à deux. C'est bon ou pas? Non, il n'y en a que un. Bon, bah ça y est, c'est fini. On gagne de l'expérience et de l'argent, hein, tout ce que j'ai claqué tout à l'heure. Ah, ça devrait être par là. Ah non, mais là, on est déjà pas... Peut-être en haut, au-dessus. Parce que là, il y a pas mal d'éventails, enfin, comment ça s'appelle, des wind, je sais pas quoi, des wind, je sais pas quoi. On va passer au vrai. Alors, le but d'avoir mis Voice Meter, c'est aussi pour pouvoir voir les retours et que je puisse écouter les retours de son, mais aussi pour pouvoir mettre en place le Jingle Palette pour pouvoir vous faire de l'habillage sonore. Du coup, on est passé par là déjà. Je reviens sur mes pas, hein, je suis désolé. Je cherche activement. Et au-dessus, il y a l'échelle. Donc, c'est pas ici. Ok. Où est la deuxième échelle ? Est-ce que ce serait pas là du coup? Non, là c'est l'échelle de la première. Il nous manque une échelle ici. Hein. Donc là, la barre en bas, c'est la barre de combo. Hein. Donc, vous avez bien compris que là, quand on arrive en combat, on est déjà à 3. Et ensuite, il faut monter à 10. Hein. Alors attends, il va peut-être nous aider. Parce que c'est les perroquets qui nous donnent le chemin. Donc, la forêt Pinwheel. Ok. Et le bridge, donc le pont embrumé. La Pinwheel Forest est en haut à droite.
Donc là, on est déjà passé. Et donc la pinwheel, ça doit être... Ah, mais ça doit être pinwheel, en fait. C'est ça, le truc. C'est pour ça que... Oui, donc il n'y a qu'une échelle pour l'instant. Ok. Là, on n'est déjà pas passé par ici, du coup. Ok, donc c'est pas ici. Pinwheel, c'est ça, du coup, le terme. Alors, moi, du coup, en traduction, c'est une roue qui tourne sur un pic, hein. Notre arrêt. Mais là, on est trop près. On est déjà dans la forêt, la vaste forêt. Mais je comprends pas. Du coup, il y a une deuxième... Il y a une deuxième échelle en haut à droite. Parce qu'en fait, ils disent que justement, la pinwheel, c'est justement celle qu'on n'a pas vue. Du coup, il manque une échelle ici. Désolé, hein, je continue à chercher, mais je pense que ça bloque pas là, comme vous voyez. Donc, le train était bloqué la dernière fois. C'est l'épisode où on cherche dans les RPG, je suis désolé. En plus, je suis vraiment pas doué pour trouver mon chemin, genre dans les... Je comprends pas où on pourrait cacher ici une échelle, sachant que ça ne se cache pas. Vu que c'est des échelles qui, quand même, traversent la moitié du monde. Je comprends pas. Mais on va brouiller. Bon, là il y a encore des pinwheels. Est-ce que ce serait par là du coup? En haut? Sur ce banc? Faut s'asseoir sur le banc? Non. Faut tuer la pousse, là. Ah, la pousse et le lapin. Je suis sûr qu'on gagne plus d'expérience en utilisant les émotions, mais est-ce nécessaire pour l'instant? C'était compliqué avec le Captain Pirate, mais sinon ça allait. On n'a pas utilisé masse de... Quoique si, on avait utilisé pas mal de capacités. On avait utilisé tous les objets, en fait, presque pour pouvoir voir justement ce que ça donnait en combat. Mais du coup, là, non. Là, il n'y a rien. Très étrange. Là, on est vraiment sur la côte du pont, donc ça devrait pas être ici de façon. Ok, donc là, il faut que je me rappelle de mémoire. Donc ici, il y a le pont, c'est pour aller vers le pont. Bonjour. Bonjour le combat. Au final, on est en train d'augmenter notre kill de lapin uniquement pour la feuille. J'en peux plus. Alors que j'adore les feuilles qui ont des visages dans tous les jeux, là, c'est l'enfer, en fait. Donc là, est-ce qu'il y a des trucs là-haut? Non, nous, on va aller là. Donc là, il y a la niche. Okay. Non, mais... Ok. Et là, on remonte, et du coup, on se retrouve encore au même endroit. Attendez, parce qu'il y a un problème, là. On passe par ici. Donc ça, c'est la pinwheel forest, mais il n'y a pas l'échelle. Donc, du coup, peut-être qu'il faut attendre que l'échelle descende. Je ne comprends pas. On va remonter, là. Non, laisse-moi tranquille. Voilà. Et là, on se retrouve... Laisse-moi tranquille. Ok. Donc ça, on peut couper, par exemple. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose de couper ça? Pour moi, ça, c'est vraiment juste pour montrer qu'on peut utiliser ses capacités, et que les capacités de Maurice, c'est de faire disparaître les choses à coups de poignard. Ce n'est pas très sympa. D'ailleurs, c'est un peu l'enfer dans ce jeu aussi pour ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Omori, ou le personnage principal en tout cas, prend un poignard, vous avez pas envie. Hein. Bon, on évite tout le monde. Hein. Bon, salut hein, le perroquet. C'était pas par là en fait, la pinwheel forest. Ou si, mais ça a pas l'air clair. On va revenir au parc. Hein. Donc le parc. Du coup, le parc, il y a... Tiens, c'est quoi cette banane? Ah oui, c'est la banane éternelle, j'avais oublié. On va regarder, on va savourer notre amitié. Voilà.
la savoure un peu. Donc là, il y a le... Ah, est-ce que tu as quelque chose à me dire, je vois. Chef du parc. On va refaire un cache-cache, là. On joue aux cartes dans le parc, c'est bon. Evan, viens avec moi. Est-ce que tu veux quelque chose, Bernie? Oui, reste à côté de moi, s'il te plaît. Et regarde de ce côté-là. Ok, d'accord. Aubrey, viens ici. Ah oui, j'avais oublié qu'il était un peu trop directif, cet homme. Ce poisson, plutôt. Enfin, ce petit enfant un poisson avec des lunettes. Et une super mèche. Qu'est-ce que tu veux, Bernie? Aubrey. Qu'est-ce que c'est, ce ton? Alors, sassy-ton, comment on dit déjà? Sassy, c'est... Espiègle? Non, je on pourrait pas même pas tirer espiègle, je pense. Viens voir ton meilleur ami. Maintenant, tu vois ce grand gars devant toi? Ah oui, mais il va nous apprendre à faire encore le coup de tête. Parce que c'est lui qui nous a appris le coup de tête que Aubrey connaît. Je sais qui est Van. Ok. Très bien. Maintenant... vas-y et donne-lui une bonne fessée pour moi. Quoi? Pourquoi? Et si il se blesse? Tout encore ces questions. Est-ce que tu ne peux pas juste le faire sans y penser, s'il te plaît? Allez, vas-y, smash. Petite ref. Ah, Smash Bros. Bon, alors du coup, faut changer au vrai. Hop. Et j'imagine. Ah oui! Un coup de batte? Ok, je l'ai fait maintenant. Refais-le. Mais j'ai pas envie de bully Van toutes les 6 secondes, s'il vous plaît, merci. Alors, qu'est-ce que je fais exactement? C'est une bonne question. Mais c'est du harcèlement social. Arrête! Tu arrives à quelque chose, je pense. Vas-y, continue. Utilise ta stamina, donc du coup, c'est ton énergie... Mais arrête, tu vas te défoncer après. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce parc? Combien de temps je vais devoir commencer, continuer à le faire? Jusqu'au moment où je te dis stop. Ne ralentis pas. Attendez, je crois que j'ai oublié de mettre le stream en moins de 18. Attendez, monsieur. C'est où déjà? Mais je suis pas connecté, Dane. Attendez. Je vais mettre le stream en moins de 18. Je sais plus si je peux le faire très facilement, donc on va voir. Désolé, hein, c'est un peu trop de violence pour les vacances. Qui ne sont pas des vacances, d'ailleurs. Je vais l'enlever son tout de suite. Hop. Me connecter. Petite pause prévention, hein, excusez-moi. Avec tout le problème d'OBS, j'ai oublié de mettre le stream en... plus 18, histoire que certaines personnes qui seraient intéressées mais n'aient pas l'âge, ne viennent pas. Parce que là on est en train de bully de ouf, hein. Je suis désolé, hein. 19, ok. Ok, alors là du coup je me suis connecté, je vais tout de suite mettre... le stream en plus 18, au cas où. Mais, on va entendre ma voix, arrête! Voilà, merci. Hop. Paramètres. Je vais remettre l'avertissement, histoire de... Comme ça, au moins, c'est fait. Et, je crois que c'est ça. Non. Ça doit être ça. Flux. Voilà. Contenu pour adultes. Non, on peut pas refuser. C'est ça le truc, c'est qu'on peut pas refuser. C'est le problème des RPG, c'est soit tu suis l'histoire, soit... Là, en fait, soit j'arrête de jouer, et du coup, et ça arrête de que je le tape. Soit je continue. Parce qu'en fait, là, je peux... y a que un bouton, c'est la suite du dialogue et la suite de l'histoire. On continue à pousser, on y est bientôt.
Alors, ça se, cette histoire de faire, d'attendre et de faire rien pendant 20 minutes, ça s'est vu dans l'île, à mon, de, l'île du singe, donc Monkey Island. Et Monkey Island, il fallait, si vous faisiez rien à un moment où il est dans l'eau, il se passe des trucs. Mais il faut attendre longtemps. Et en fait, il y a quelque chose à faire aussi, etc. Mais ils vous permettent ça. Je te dis pas à quel moment, mais ils vous permettent la possibilité. Je spoil pas, mais il est très bien comme jeu, et je pense que ça serait intéressant de le faire aussi en live. Je vais juste peut-être mettre à jour l'avertissement, parce que là on est en mode harcèlement quand même un peu, histoire de... désolé, hein, on a fait que chercher, et on oh, je me suis déconnecté, purée, qu'est-ce que je suis bête. Pourquoi je me suis déconnecté juste après? C'est une grande question. Grande question, hein. Cette habitude de se déconnecter de tout, là. Enlever les cookies, tout ça, tout ça. Bon, alors, vas-y. Ok. Je vais pouvoir me connecter. Et aller chercher Wisebot. On va chercher Wisebot. Bim, bim. Pour que lui dire, écoute, soyons clairs un peu tous les deux, je pense que on peut rajouter un peu du bullying dans cette alerte, avertissement. Et ben merci Magno Extremer, j'avais pas vu ton truc, je sais pas s'il est passé, donc je remets. Je n'avais pas vu ton follow pendant qu'on était en train de discuter de la bataille. Hop, panel de streaming, je suis en train de juste de mettre à jour la commande, et c'est bon. Je mets à jour la commande, avertissement, voilà. Et je vais mettre, du coup, je mets bullying. Hein. Harcèlement, non. Je vais peut-être mettre harcèlement, en fait. Parce que là, c'est un peu ça, non? Bon, je vais mettre bullying. Parce que je sais pas exactement comment le traduire, parce que je sais que bullying, c'est... ça peut être différemment compris. Bon, alors, je pense que je vais juste m'évanouir. S'il te plaît, juste une dernière fois. Mais si Aubrey s'est évanoui... Hein. Ah! Aubrey a gagné de l'énergie. Qu'est-ce que c'était? Non, rien. J'étais juste... fatigué, ennuyé. Mais pourquoi? Pourquoi il fait ça? Mais vraiment, c'était vraiment très chiant aussi. Quoi? C'est tout? Au moins, tu as récupéré quelque chose. Mais je suis toujours ennuyé. Mais il est pire que tout, lui. Déjà que Boss nous a appris à gérer nos émotions, on va dire. En se tapant contre lui. Mais alors, en Berly, c'est pire. J'arrive pas à comprendre Berly du tout. Eh bien, voilà. On va aller prendre des médicaments, des bonbons auprès de Marie. Je pense que c'est nécessaire. J'ai vu qu'il y avait... voilà. Je crois qu'elle... Oui, on n'a pas trouvé tes fleurs, non? Des puzzles de fleurs. Neb? Bah si, j'ai entendu Neb. On a trouvé une... Ah oui, on en a trouvé une. C'est un cadeau qu'elle nous donne. Daisy, et elle en a trouvé plusieurs. Est-ce que c'est plutôt joli? Qu'est-ce qu'elle nous donne? Oh, elle nous a donné des Daisy. Donc des marguerites, hein. Merci. Mais du coup, on fait quoi avec les marguerites? On peut les planter? Ah non, c'est vrai que les dents d'oignon, c'est des jouets. Et du coup, la Daisy, c'est où? C'est pas là. Bah. Ça a disparu? On peut peut-être équiper. Attends. Non. Ah oui. Ça donne plus 10 de vie. Et on commence en étant heureux.
est-ce qu'on a envie de voir tout le temps sourire au Mori? Je sais pas. Franchement, il me fait peur quand il sourit. Voilà. Je vais vous mettre, je vais vous remettre l'avertissement dans le chat. Comme ça, c'est bon. C'est juste pour tester la commande. Je pense qu'elle est bien. Hein. Hop. Est-ce que je peux copier? Oui. Je copie. Je crois. Voilà. Hop. Bah, du coup, ça c'était totalement gratuit ce qu'on vient de faire, mais super. Je suis très content. Bon. Donc là, si on remonte, on arrive à la souche. C'est là où Kel et Aubrey et... C'est quoi ça? Oui, on va jouer aux cartes. Et Hiro et Aubrey sont vives. Et Omori vit dans la pièce en dessous. Je rappelle. Non, j'ai pas envie d'y aller. Pour moi, c'est l'enfer. Mais peut-être qu'il faudrait, donc je sais pas. Donc on va aller par là. On va voir ce qui se passe ici. Je crois que c'est le train, là, de ce côté-là. On va voir. On a toujours été en bas. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que je peux couper ça? Ah non, j'ai peur des araignées. Donc du coup, peut-être qu'on va mettre Aubrey en premier. Ah oui, non. Non, mais non. Ça, je connais dans Don't Starve. J'ai pas envie. Merci. Ah, tout le monde a peur des araignées. Ah oui, mais on a gagné contre notre peur la dernière fois. Attendez, excusez-moi. Si on reste ici, est-ce qu'on meurt pas? C'est peut-être pas un truc à faire. C'est pas maintenant. En fait, on doit gagner contre nos peurs. Hein. On avait réussi à... Ah, peut-être que Aubrey peut nous m'aider à casser ce rocher. On avait réussi à monter l'échelle alors que Omori a peur du vide. Ok, bon, Aubrey ne fait rien. Il me semble pas que Kel puisse casser... Ah, quoique. Est-ce que Kel peut casser grâce à la connaissance de son ami Hector? Non. Non. Et Hiro... Hiro, je crois qu'il fait pas ça. Hiro... Non. Ok, donc c'est pas les rochers, on peut pas s'en occuper. On continue. Donc là, c'était très particulier. Donc il y a les araignées. Peut-être qu'on va aller de l'autre côté, voir ce qu'il y a. Ah! Ah! Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est... Oui! Une échelle! Attendez, on va monter. Est-ce que c'était la bonne échelle? Ça se trouve, c'est l'autre échelle, c'est celle que j'avais pas prise. Et que c'est celle-ci, celle que j'ai prise pour aller voir Pluton. La déchetterie, quoi. Ah oh là là, je me rappelle plus de quelle échelle c'était. En tout cas, je sais pas si vous voyez. Attends. Ils nous donnent de l'argent, en général. Donc là, on arrive dans la... Ouais, je crois qu'on s'est trompé de... Mais ça, j'ai jamais vu ça, ce côté-là. Ça non plus. Ouais, on est déjà venu ici. Quoi? C'est qui? Ah oui, il y avait quelqu'un qu'on poursuivait à un moment. Pourquoi il neige? On est venu? Non, on est jamais venu ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, watermelon, c'est les melons, les pastèques. C'est mes préférés pendant l'été. Ok. Oui, il y a un gâteau d'anniversaire. Ça, je le sens pas. Les gâteaux d'anniversaire, les trucs qui font peur, ça, c'est pas l'enfer. C'est un peu l'enfer aussi. Mais on est déjà passé par là. Bon, là, il y a la voiture, donc on va monter en haut. Mais pourquoi tu es une ombre? Un souhait, mais pour souhaiter quoi? J'ai tout ce que je pourrais avoir maintenant. Ok. Là, on est en train de se balader dans les souvenirs. Hein. Est-ce que tu vas aller devant? Ne t'inquiète pas pour nous. On va te rattraper d'ici peu.
Je pense que c'est la suite de l'histoire. On a trouvé un smoothie à la mangue. Il y a des voitures. Il n'y a plus la déchetterie. C'est pas de ces... Du coup, on est dans le bon endroit. Oh là, il y a un souvenir en bas. Attends, on arrive. Ombre. Ou Dark Zelda. Ou Dark Omori. Je sais pas exactement qui es-tu, mais en tout cas, tu... Et on est d'accord que là, c'est des choses qu'on a déjà dû... Ah. C'est les cookies de Marie ? Elle adore les... ça a beaucoup plus d'amour que cuit. Que cuit à l'intérieur d'eux. Je peux les manger toute ma vie. Bon, Marie, t'es en train de nous faire une phase. Là. T'es en train de nous faire une phase. Ouais, c'est le parc, ça. On est si jeune. On devrait rêver grand, non? Mais il y a Pluton? Ah non, c'est... Tiens, il y a Dark Omori de l'autre côté. On va aller voir. Monter d'abord. Bah, on va pouvoir aller à la machine encore à recycler. C'est vrai qu'on l'avait vu sur la maison. Donc là, je reviens sur mes pas, mais je vérifie. Oui, c'est ça. Ok. Parce que vu que j'ai pas pris le même chemin, je voulais vérifier qu'on avait bien tout fait. Je suis caché derrière des feuilles, hein, monsieur. Attends, j'arrive. On monte, comme dans tous les jeux vidéo, faut pas aller dans le bon sens. Oulala, des cadeaux. Il y a un violon, enfin une sorte de cadeau violon. Cette année, tu as juste un cadeau de notre part. Il y a 4 cadeaux, ça veut dire qu'il y a potentiellement 4 personnes. Donc on est le groupe, quoi. J'ai pas essayé en haut, hein, mais oui, c'est vrai qu'il part en bas, donc on va essayer en haut en fait. Mais là on peut pas aller plus loin. Donc du coup en haut il y a une ouverture pour aller de l'autre côté. Ok. Je pense qu'on a trouvé le chemin. Hein. Une ferme à l'américaine en plus. Mais non, regarde, c'est rouge, faut pas rentrer. Je sais ce qui se passe. Mais en plus il y a une croix ou une sorte de d'épée en haut là. Qui veut aller dans l'intérieur? Pas moi en tout cas. Ça a l'air sympa, ça a l'air d'être une photo de famille. Bon, je vais rappeler l'avertissement. Hein. Attendez, je me mets dans l'ambiance. Peut-être augmenter un peu le son aussi, parce que j'ai vu qu'il est un peu bas. Non, mais s'il te plaît, on peut aller vite. Ah, une lettre. Alors, les lettres, c'est pour... tout ce qui est... ce qu'on trouve, en fait. Sauf que là, c'est un portrait de famille, j'ai pas trop envie d'y aller. Est-ce qu'on est obligé? Oui. Donc ça, c'est une partition. Toutes les notes ont été barrées. Il y a la lumière en haut. Une famille heureuse. Du coup, il faut sans doute le violon pour faire ça. Bon, attends. Mais non ! Ah ! J'ai vu Basile. Mais non, pourquoi on est encore dans le white space ? Non, c'est l'enfer. Bon, je remets le truc. Pourquoi j'ai mis les deux écouteurs? Donc le white space, il y a des mains qui nous ramènent
à l'entrée. Donc en fait, l'entrée, c'est ici. Donc il y a un chat qui ne bouge pas. Il attend quelque chose. Il y a le carnet de Omori. Donc on va regarder rapidement. Vous allez vous remarquer du coup quelle est l'ambiance de ce jeu, qui est uniquement basé justement sur les sentiments de Omori. Hein, donc il y a le gâteau là. Ça c'est le chat. Là il y a le ouais. Mais pourquoi il y a Marie dans l'eau là, rouge? Le chat noir parmi les chats blancs. Les tentacules. La batte. Les mains. Le sang sur le truc. Ok, c'est bien à faire. Un chat qui prend soin de Omori, on dirait. Il n'y a qu'un seul truc à faire. Et ce fabuleux dessin qui est l'enfer. Il n'y a qu'un seul truc à faire. Oh non, il n'y a pas la porte. Tomato Jules, si tu ne sais pas comment fonctionne Omori, je te... Voilà. Là, il nous demande qui on va poignarder. Donc, je rappelle l'avertissement. J'ai l'impression qu'on vient de faire un tour. Et à ce moment, j'ai tout eu. Quand ils se sont tenus ici. Ils se sont tenus ici avant. Est-ce que tu nous vois? Toi aussi? Est-ce que tu le vois? C'est toi aussi. Ah, Basile, bonjour. Quelque chose derrière toi. Eh ben c'est sympa. Trois jours après. Ou trois jours restants. Plutôt. Donc là, c'est pas Omori. Hein. Quand il est en couleur, c'est pas Omori. Je me rappelle plus de son nom d'ailleurs. Donc, là, on est du côté du monde réel. On a une to-do list où on n'a pas fait grand-chose parce que sa mère n'est pas là. On a trouvé un couteau, par contre. Voilà. Il y a apparemment un message sur le truc, sur le téléphone. On peut jouer au blackjack. Bon, on va jouer au blackjack, oui. Donc ça a l'air de... C'est un jeu dans le jeu. Mais je veux pas parier, en fait. On est obligé de jouer au blackjack, il doit être une. Je quitte, wesh. C'est bizarre ou quoi? Mais je veux lire, laissez-moi lire. Au moins, c'est tranquille. Alors, la to-do list, donc la liste des choses à faire de maman. Mais je ne me sens pas de faire les corvées. On va écouter le message de maman. Il y a des post-it au mur. Salut. Ah oui, c'est Nino que je l'ai appelé. Salut Nino, c'est une note de ta maman. J'ai laissé de quoi manger dans le frigidaire. C'est du steak. Ah oui, c'est vrai que j'avais mangé du steak non chaud. C'est-à-dire du steak cru. Chose à pas faire. Tu as un nouveau message. Salut Nino, c'est maman. Comment vas-tu? Est-ce que tu manges bien? J'espère que que je vais pouvoir revenir aujourd'hui. Mais c'est le dernier jour de cette grosse vente de meubles. Et je ne peux pas résister à ce marchandage. Ce bargain, c'est un... Ouais, c'est ça. Un truc d'ancien. Tu peux prendre... soin de toi, non? C'est quelques jours. Après tout, tu es un grand garçon. Oublie pas de faire les corvées que j'ai laissées sur la liste sur la table. Voilà. Ok, c'est tout pour le moment. Maman t'aime. Salut, chérie. Bisous. Ok. Donc on avait trouvé un couteau aussi. Mais ah non, il y a la porte. Mais non, je m'en vais. Laissez-moi tranquille. Ah, le pique-nique de... Mais non, je veux sauvegarder.
aller du côté de Nino. Hein. Mais on voulait pas. Je veux pas ouvrir la porte. C'est horrible dans les oreilles. Oh là là, mon Dieu. On est un enfant à la maison tout seul. Nous n'ouvrons pas la porte, nous. Non, 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 on est bien éduqués. Au revoir. Non, on n'est pas obligé, s'il te plaît. Je veux voir ces photos. Non. Bon. Non, non, mais j'ai pas envie. Attends, je vais faire des trucs. Ok, je vais prendre... je vais faire la vaisselle. Non, mais je veux faire la vaisselle. Je veux ramasser des trucs dans les poubelles. Je vais vider la poubelle. Mais non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais surtout, arrêtez de battre la porte aussi régulièrement, s'il vous plaît. Merci. Respectez-nous. Non. Faire du feu. Non, peut-être pas faire du feu, c'est pas une mauvaise idée. Est-ce que maman nous a laissé une note en mode ne n'ouvre pas la maison quand je ne suis pas là. Faut que je fasse attention quand je traverse à gauche et à droite. Oui, c'est bien ça. Elle me fait des XOXO. Ouh là là. Bonjour. Bonjour. Nino, est-ce que tu es là? Ah oui, c'était Kel, voilà. C'est ton vieil ami. Mais oui, Kel. Comment te dire, j'ai vu que c'était que ta maison était à vendre. Ah oui, c'est vrai qu'elle, on n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis longtemps dans ce monde-là. Et j'ai entendu que ta maman n'était pas là, allait déménager, était pas là pendant un moment. Je me demandais, est-ce que tu veux traîner avec moi avant que tu partes ou oui, si c'est toi, bien sûr. Non, mais attends. Faut que je regarde en traversant, attends. Qu'est-ce que je fais là? Mais c'est pas qu'elle. On n'est plus du tout dans la maison. Où ça a tourné? Oui, open the door. C'est pas qu'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis inquiet? Ah, donc ça, c'est le visage de Kel. De ce côté-là. Tu fais pas du tout peur. Arrête de sourire fixe comme ça, s'il te plaît. On peut être dehors. Ah, tu es vraiment venu? Je veux dire. Je vais être honnête avec toi, Nino. Je ne m'attendais pas à ce que tu sortes aujourd'hui. Donc du coup, je n'ai pas vraiment de plan. Et tu sais, allons à Hobbies. C'est la boutique de Hobby, quoi. Au Plaza Faraway. Tu te rappelles, toi? On avait l'habitude d'y traîner quand on était plus jeune. On faisait des enfants encore. Hein. Qu'est-ce que t'attends? C'est qui dirige, là? Allons-y. Ouais, donc c'est un peu quel comme on l'a vu, ok. La pression de la porte, hein. Ok, donc il y a les pinwheels en plus, donc il y a tous les trucs qu'on a déjà vus. Ça c'est... Ta maison a été vendue il y a 3 jours, il te reste 3 jours pour pouvoir te déplacer, d'accord. Ok. Ouah, la voiture, elle fait même pas attention. Et il y a le tri. Il y a le chien. Attends, Nino. Je sais que ça fait longtemps mais que tu n'es pas venu chez moi. Mais maintenant n'est pas le bon moment. Non mais vous êtes sérieux à avoir un panier de basket en plein milieu de la rue où il y a des voitures qui se baladent comme ça? Oui, bah oui, c'est le basket... C'est celui de Kel et ça semble un peu dangereux d'être dans la rue comme ça. Mais Kel, tu vas bien? Tes parents ne sont pas... On peut aller. On peut savoir qui habite ici? Pas de réponse. Ok. Regardez ici peut-être. Non. Là, c'est des petits bonhommes qui ressemblent à quoi? Ah, c'est une figure religieuse. Tu as l'impression qu'ils te jugent. Il y en a beaucoup, hein.
Faut fouiller les poubelles ou pas? Alors là, là c'est bien. On apprend comment recycler. Donc la poubelle noire, c'est pour tout ce qui est ordure. La poubelle bleue, c'est pour ce qui est recyclable. Et la poubelle verte, c'est pour tout ce qui est de l'ordre de la nature. Bon, bah du coup, on va aller voir. Hein. Est-ce que je peux ouvrir la carte? Non, je n'ai pas de carte. Ok. Alors, on va pas traverser. Je vous le dis direct, on traverse pas. Je sens la die attitude. On est obligé de traverser. Je vais pas courir. Je vais y aller de temps. Ok. Ce n'est pas par là. Rappelle-toi où est. Ah, c'est au nord. Ok. Faut traverser deux fois là. Sur la grosse avenue? Non, 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 je suis pas d'accord. Déjà, j'ai traversé une fois, c'était compliqué. Bon, allez, on croise les doigts. Surtout qu'on peut pas regarder. Ok. Le parc. Le futur appartient aux rêveurs. Le prêtre? Je suis sur le chemin de l'église. Mais c'est un rituel que j'ai mis en place de traverser le parc pour... de faire une petite balade pour pouvoir donner mes serments. J'ai eu un horrible stage depuis que je suis petit. Stage Freight, je pense que c'est... Mais une scène de balade comme ça me calme les nerfs. Ah, du coup, il a eu un... Monsieur, vous avez des poubelles derrière vous? Bon, ok. Donc lui, c'est Apple Guy. C'est le mec des pommes. Donc lui, il est en train de faire du sport. Prends du jus de pomme! Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase? Une pomme, un jour, garde le docteur à distance. Le même concept s'applique au jus de pomme. Et le jus de pomme supporte l'hydratation. Ça contient beaucoup de plantes bénéfiques et peut gérer ta santé cardiaque. Ça peut aussi protéger ton cerveau à ton âge. Il n'y a aucun problème de ce que je sais. Au jus de pomme. Alors il y a des poubelles un peu partout, ça a l'air bien. Olive Bini, donc c'est le chapeau, le fabuleux chapeau qu'elle a. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais bon, j'étais enfant. Quand j'étais plus jeune, ma famille avait l'habitude d'aller dans des parcs souvent. Je me rappelle le moment où il y avait un lac avec une statue au milieu. Mais je ne peux pas le trouver. Donc ça, c'est un vagabond. Alors, hobo, ça peut aussi être SDF. Et vagabond, c'est plus le terme. Parce que c'est... Hobo, c'est les travailleurs qui se déplaçaient en Amérique. Et donc, du coup, qui vivaient aussi là où ils pouvaient. Aujourd'hui est une si belle... est un si beau jour, tu ne trouves pas. Je n'ai peut-être pas d'argent, mais au moins j'ai la lumière du soleil. Et c'est gratuit. Pas faux. On va tester la poubelle. Ah, on ramasse les poubelles. Ok, bah c'est bien, on va ramasser les poubelles. On ramasse les poubelles, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On fait la corvée à l'intérieur du parc. Ah! On a les mêmes petites bestioles que dans notre monde. Mais elle a disparu, j'ai l'impression. Elles disparaissent quand j'approche. Un nounours. Et ça, c'est le chat... qui est... la dernière fois que tu t'en rappelles, il était plus grand. Qui est dans la maison de Kel et Aubrey et Hero. Et là, toutes les personnes qui sont dans le parc, qui me rappellent l'autre monde, disparaissent. Ces derniers temps, la vie a été plutôt stressante, mais des surveillants, les gens qui font attention ici, m'aident à mettre tout en perspective. Ça pourrait devenir une habitude de venir dans ce parc souvent.
J'espère. J'imagine que quelquefois, il suffit juste de se relaxer pour s'arrêter en sentant les fleurs de rose. Le parfum des roses. Ok. Salut les jeunes. Je ne sais pas si vous regardez beaucoup, mais dans le coin, il y a beaucoup de poubelles. Si tu en trouves, n'hésite pas à les ramener ici. J'en ai trouvé deux. Oui, j'en ai deux. Oui, 2 dollars. Ah ben là, on est dans la vraie vie du monde véritable parce que le monde économique existe. C'est pas des coquillages. Un artiste est en train de faire un croquis tranquillement. Oh, c'est vachement cool ce que tu dessines dans ce parc. Ah, oh. Salut vous. Merci, je m'entraîne juste. Tu t'appelles ça t'entraîner? Mais ça a l'air tellement vrai. Je parie que tu peux même vendre ça pour de l'argent. Dans une fiction? Yes. Bah oui, pourquoi pas. Même Nino, il pense. Moi, je l'achèterais pour moi, perso, dit-elle. Hey Nino, est-ce que tu peux me prêter 20 dollars? Je n'ai pas 20 dollars, en fait. Ah, c'est trop bien, merci, mais ce n'est pas à vendre. C'est mon portfolio. J'essaye d'aller dans une école d'art l'année prochaine. Oh, dommage, c'est trop dommage. Ça avait l'air. Ça aurait une tête dans ma chambre. Ok. Tu penses vraiment? Mon nom est Minsi. Quel est le tien? Quel? Et ça, c'est Nino. Quel? Et Nino. Très, très heureux heureuse de vous rencontrer. Je suis très content de te rencontrer aussi, Minsi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est rien. Tu es juste la première personne à dire quelque chose de positif de mes dessins. Des fois, quand je suis un peu déprimé, je me questionne et ça devient dur de tenir le stylo, le crayon. Non, je n'y crois pas. Je pense vraiment que tes dessins sont bien. Je serais incapable de faire ça même si je. Même si je passe 1 million de dents dessus. N'essaie pas d'être trop dur envers toi-même, Minsi. Moi et Nino, on croit en toi. Ok. Vous avez raison. Je vais me motiver pour enlever ces idées noires. Je vais essayer de. Buckle down on finish. Je vais essayer de m'y atteler et de finir. C'est l'esprit. À la prochaine, Minty. Ouais. Alors, l'odeur de cet homme est indescriptible. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a quelque chose sur ma tête? Est-ce qu'on peut avoir la poubelle? Ouais, merci. Qui sont ces personnes avec des poubelles dans la tête là? On est le. On est des recyclants! Des recyclants! On suit la sainte poubelle. Tout ce qui a été. Tout le monde doit accepter que nous sommes des poubelles. Alors oui. Réduit, réutiliser, recycler. Ok, bah c'est sympa comme représentation du mouvement écolo. Hein. Très très gentil. Ok, donc lui il court, Jock. What's up? Jock, c'est pas un truc genre en référence aux personnages dans les films américains, genre un peu uniquement sportif là. Il sait des noms comme ça, je pense. Qu'est-ce que tu fais ici, Kel? Tu ne viens pas du coin. Oh, je ne m'attendais pas à te voir ici, Jay. Nino, voici Jay, c'est le capitaine de football de mon lycée. Ah, ils sont au lycée. Je ne savais pas que tu joues au basket. Je suis juste ici pour perdre du temps. C'est plus un hobby qu'autre chose.
Tu as essayé le. Tu as essayé d'aller dans l'équipe de basket, n'est-ce pas, cette année qu'elle? Parce que peut-être que tu peux m'apprendre quelques tricks. Oui, définitivement. Ça serait marrant. Mais peut-être un autre jour. Mon ami d'enfance, Nino, ici présent, ici présent, quitte la ville dans quelques jours. Donc on traîne un peu ensemble. Je vais vraiment. On se recapte plus tard. Ok, on peut essayer ça la semaine prochaine si tu veux. Même heure, même endroit. Ouais, c'est bon, ok. J'espère qu'on va pas jouer qu'elle parce que je vais falloir que je me rappelle de tout ça. Donc ça, c'est des. On peut pas faire de. On peut jouer à ça avec elle? Non. Ouais, ok. Ok. Je crois qu'on peut sauvegarder là. On va d'abord donner notre. Nos poubelles. Et on va essayer de continuer. Parce que là, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on peut acheter des trucs ici? Non. Donc on va sauvegarder. Pour l'instant, on n'a pas rencontré de Hector. Donc peut-être que Hector Lapierre est quelqu'un de particulier pour. Ok, donc là on a fait ça. Oh, de l'argent. On va récupérer toutes les poubelles, hein. Ça va être notre let's play poubelle. Bon, y a tellement... Allez, allons-y à Hobbies. Mais moi je vais aller chercher les poubelles, Nino. Mais Hobbies, c'est pas ici? Ça, c'est un autre marché. Ok. Il a pas l'air fatigant. Bois du jus d'orange. Tu n'as jamais entendu? L'orange, c'est la couleur de la joie. Non? Bah, c'est bon. C'est pas grave. Sache que le concept s'applique au jus d'orange. Ça a de la vitamine C qui augmente le système immunitaire. C'est oxydant, antioxydant. Et ça a des bénéfices sur la santé en protégeant tes cellules de dommages radicaux. Ok. Merci pour la pub pour le jus d'orange. Salut Nino, let's go to Obis first. Mais pourquoi on peut pas parler avec lui là? Mais oh. Mais. Laisse-moi faire, ok, s'il te plaît. On peut discuter avec cette dame? Alors, c'est une dame qui a les cheveux courts. J'ai juste fait un souhait. J'espère pouvoir rencontrer mon amour aujourd'hui. Ok, bah c'est. Oui, on va sauver quelque chose. Ok, c'est bon. On a sans doute souhaité quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Ok, bah allons à Obiz, hein. Qu'est-ce qui se passe à Obiz? Oui, mais 2 minutes. Ah, il y a le Captain Pirate. Ça fait sans doute un peu longtemps que tu n'es pas venu. Mais ça n'a pas vraiment changé depuis. C'est à peu près la même chose. Captain Spaceboy, donc le Captain Pirate. Sweetheart, donc les films de Sweetheart. Et ah bah voilà. Et quelques rochers. Alors, Pet Rock, c'est Hector, donc du coup, c'est les rochers animaux. Je sais pas comment dire. Domestiques, les rochers domestiques. Excepté que maintenant, c'est vintage. Actuel, enfin, à vrai dire, depuis que. Depuis qu'on est ici, je devrais sans doute acheter un cadeau pour Hero. Donc, on est ici. Il est au collège maintenant et. Ah, il est plus grand du coup. Donc il est à l'université. Il devrait revenir dans quelques jours. Demain. Il apprend à être docteur. Donc peut-être que je devrais acheter quelque chose lié à la médecine. Non, ce n'est pas une bonne idée. Tu devrais m'aider à trouver un cadeau. Essayons de regarder autour, voir ce qu'on peut trouver. Est-ce que c'est au vrai? Cet endroit est plus
plutôt petit, mais il a beaucoup de choses rares et des collecteurs. Alors attendez, je teste avec la musique. Le retour pour moi. Ok, ça a l'air pas mal. Ok, c'était bon. Parce que là, c'était plutôt fort. Ça j'ai déjà traduit. La plupart des gens viennent ici. Viennent dans cette ville uniquement pour ce magasin. Ok. Ma nouvelle favorite a eu une adaptation en comic. Mais le caractère principal, le personnage principal, ne ressemble pas du tout à ce que j'imaginais. Un poster d'un nouveau jeu qui nous permet de traverser différents mondes. Rien à voir d'autre. Un jeu appelé Captain Space Boy, Space Adventure. Ça coûte 1$ pour jouer. Bon, on va jouer. Hey Nino, viens, on trouve un cadeau pour héros d'abord, et après on peut jouer. On va trouver un cadeau ici, je peux. Des figurines. Je suis vraiment à donf pour ce genre de truc. Héros, serait pas content si je dépenserais mon argent pour manger sur ça, par contre. Essayons de lui rappeler ça la prochaine fois. Oui, c'est parfait. Papa Chips Chip of the Old Block Cookbook. Oui, donc du coup, c'est pour faire à manger. C'est un livre de recettes. Ouh, il y a plein de choses. Hero a une copie de ça quand on était, avait une copie de ça quand on était petit. Mais notre chien Hector, le chien c'est le pet rock de lequel c'était Hector, je rappelle, l'a détruit. Et il va être très heureux de le retrouver. Mais avant ça, on devrait se poser la question la plus importante. Combien coûte-t-il? $20. C'est de l'extorsion. Mince, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Mais ça, c'est la bonne technique, Kelsen. Est-ce que tu peux m'aider, Nino? Je te rendrai l'argent. Ah oui, c'est vrai qu'il avait de l'argent, mais c'était pour faire pour survivre pendant 3 jours. Hein. Donc je l'ai pris. Hein. Je vais payer, c'est ça? Salut Shopkeep, on aimerait vendre, acheter ce bouquin. Quel, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je t'avais pas vu ici. Ah, c'est le Papa Chips Chip of the Old Block Cookbook. Je vois que tu as bon. Oui, mon frère, donc c'est son frère Hero, okay, avait l'habitude de suivre ses recettes tout le temps. Ces cookies étaient mes préférés, donc c'était les cookies aussi de... Okay. C'est rare de voir un autre fan de Papa Chips ici. Cela fera $20. Merci les enfants. Amusez-vous bien. Ok. Merci Nino. On va pas acheter des... On va pas acheter des CD. Attends, j'ai combien de films? Ah mais j'ai plus rien moi. Non! Oui, je veux pas l'acheter. Ok. Alors on va voir la tête de Space Boy. Des jeux de cartes qui sont un peu éparpillés. Un nouveau jeu qui s'appelle Super Ultra Pouce. Les top pouces mangeurs. La revanche des top 3. Donc ça c'est les pouces qu'on voit assez souvent. Ok. Un poster intéressant. Ah, c'est le monstre. Dans ce poster a l'air tellement vrai. J'imagine que ça serait trop dur de le battre.
Je vais faire une pause toilette. je suis désolé, on va faire une pause toilette, faut que j'y aille. 3 secondes, j'arrive. Ok, désolé, petite pause. Alors du coup, c'est un poster d'un nouveau jeu qui consiste à se battre contre des monstres méchants, des méchants monstres sur des skates. Ok, est-ce qu'on va se battre contre lui? Je sais pas, pour l'instant, on va essayer de faire, de regarder un peu tout ce qu'il y a. Un poster d'un nouveau jeu où on peut traverser différents monstres, on l'a déjà vu peut-être. Donc on va essayer de jouer à ça. Mais du coup, ça coûte 1$. Je vois à tes yeux que tu as tes yeux sur ce jeu. Ça s'appelle Captain Space Boys, les aventures spatiales. Ça a été plutôt populaire il y a quelques années, mais ça reste toujours un jeu très compétitif. Donc ça, beaucoup de personnes l'ont essayé, mais je vais essayer. Mais j'ai essayé de garder le high score. Si tu le bats, je te donnerai un truc de cool. De l'argent. Ah, attention, parce que je vais falloir faire du high score. Oh non, c'est... Comment ça joue? Ah d'accord. Ah oui, donc c'est, d'accord, c'était des... Ok. Ah ! Mince ! Ah oui, non mais si je fais des bêtises... Je suis nul à Space Invaders, hein, je tiens à préciser. Je sais qu'il y a toujours la technique de... Tu passes à travers, comme ça t'es un peu couvert. On va jouer comme ça. Hein. Sans bouger. Tu vas essayer de prendre ça, speeder. Hein. J'aime pas du tout quand ils descendent. Oh là là. Ok, c'est bon. Là, ça va aller 3 fois plus vite, ça va être hyper compliqué. Que j'ai gagné.
Ah, on a battu son score, super. Je suppose que je fais de la place pour la nouvelle génération. Tiens, ton cadeau comme promis. Je le donne uniquement à ceux qui ont l'air vachement cool. J'ai eu des glaces, des lunettes cool. Okay. Non, mais on va pas payer encore une fois, c'est bon, j'ai joué. On va essayer de se battre contre l'autre. Hein. Allez, on va essayer de se battre. Oui, on va change. Attends, j'ai des skills. Ok. J'ai quoi là? Rien. J'ai quoi là? J'ai de la vie. Ok. Jackson. C'est Jason en fait. Eh ben, c'est bon. Ah, c'est fini. Je pensais pas qu'on allait battre dans ce jeu. Wow. Salut, Nino. Nino sur la terre. Oh, un CD est tombé du poster. Bizarre. Je me demande ce qui cache. Je suppose que on peut le prendre. On m'a donné le mairie CD. C'est quoi le mairie CD? On va mettre les coups de glace déjà. Et ah bah. Quel Petrock. Ah mais du coup c'est un. C'est un Tamagotchi. Ok, et dans la poche du coup. First aid, important. On peut jouer ça dans un jukebox. Et on a le cadeau. Et des poubelles. Bon bah salut hein. C'est cool votre endroit. Où tu veux aller maintenant, Nino? Je suppose que tu veux. Il n'y a pas vraiment grand chose à visiter. Donc, hein. Oh, pourquoi on n'irait pas au parc Faraway? On l'a déjà fait. Mais non, mais j'ai pas envie. Pas, tout seul. Oui, on y est venu. Ça semble marrant, non? Je veux discuter avec les gens là, ici. Salut, je suis Michael. Je vais travailler. Je vais sans doute être un musicien qui se balade. J'ai joué à la guitare récemment sur la place de la ville. Mais je pense que je ne suis pas encore prêt à y aller. Est-ce que tu vas m'aider à aller jusqu'à ce niveau-là? N'importe quoi me pourrait aider. Donner un dollar. Ok, je pense que j'ai beaucoup de choses encore à faire avant de quitter la ville. Et va nous jouer une musique. Bref, au guitariste dans. Au chien guitariste dans. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Si, c'est ça, c'est. C'est on dirait la musique de. Animal Crossing. On va aller voir chez Gino. Salut, salut! Mon nom c'est Gino. Je sais ce que tu penses. Ça ne m'appartient pas. Et non, ça ne m'appartient pas. Mais ils m'ont donné quand même une pizza entière gratuite pour mon anniversaire. C'est vraiment cool. Un mec maladroit. Ma femme arrête pas de me dire que je deviens de plus en plus choubi. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Quand on vit à côté de cette de ce fabuleux restaurant. La pizza. Salut chérie. J'ai pris
Alors, je suis un connaisseur musical, d'une certaine manière. Si tu joues un CD ici, je peux railler pour te dire qui est l'artiste de la musique. C'est un connaisseur musical. Bien, écoute, on va te faire de la musique. On va écouter la musique qu'on a récupérée. C'est quoi du coup la musique? C'est un original, c'est une chanson originale de Toby Fox. Non, c'est pas du tout ça. Ah, une machine d'arcade qui ne fonctionne pas. Salut les enfants, vous m'avez pris sur ma pause. J'ai essayé de décider que. De manger il y a une bonne dizaine de minutes, mais je ne sais pas ce que je vais prendre. Peu importe, je vais m'assurer que c'est bon. Salut, c'est Gino de Gino Pizza. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, il y a de l'orange, il y a du sandwich pour héros. J'ai pas suffisamment de thunes, je vais me faire de la thune avec les poubelles et j'arrive. Hein. Je vais me payer une pizza parce que je sens que je vais mourir de faim. C'est quoi ça? Fix it. Ah! Tes objets. Ils se déclarent d'amour. Après tout ce temps, on habite enfin ensemble. C'est tellement excitant, Sean. Oui. C'est le début du reste de notre vie. Maintenant, c'est le moment de faire des décisions importantes. Quelles couleurs vont être les murs? Je pense que n'importe quoi pourrait fonctionner. J'aime les couleurs. Qu'est-ce que t'en penses, Sean? N'importe. Ça ne me dérange pas. Tu peux choisir, Karen. Quelle couleur ça te plaît? Oh Sean, tu es tellement généreux, selfless, comment on dit? Tu penses le monde aux autres quoi? Je n'ai pas besoin de prendre une couleur pour rien. Je serai heureux tant que je serai avec toi. Karen, si on continue à faire ça, on va être ici bloqué ici toute la vie. Tu as raison. Et si on fermait juste les yeux et qu'on choisissait quoi? Ouah, non mais faut arrêter là, on est pas dans un drama. Ça fonctionne. Le résultat est complètement impartial. Allons-y. Ok, c'est bon. Ferme les yeux. Attends. Ok. Tu devrais faire ça, Sean. J'insiste. Mais on peut partir ou pas? Non, Karen, ça devrait vraiment être toi. Et si je prenais une couleur que tu n'aimes pas? C'est infini. On va vraiment jamais y arriver. J'ai une idée. Demandons à quelqu'un d'autre. Salut! Tu peux nous aider? Prends une couleur, n'importe laquelle. C'est vraiment ce que j'ai dit. Je le pensais comme ça. Ah, on a pris un motif floral. Alors, wallpaper, c'est des papiers pour mur, je ne me rappelle plus comment on dit. Qu'est-ce que ça fait ici dans la section des peintures? Ok. Ça a dû être déplacé. Bon. Ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait, mais... ok. Qu'est-ce que t'en penses? Ça semble propre. Je pense que ça va marcher. Allons-y. Merci beaucoup de ton aide. On est vraiment... On venait d'ici, mais on vient juste... Attends. On vient dans ce coin, on vit dans ce coin, mais on vient juste d'emménager ensemble avec le temps. C'est la celle avec le toit jaune à côté de l'église. Okay.
On va sans doute avoir une fête d'ici 2 jours. Ce serait très très intéressant que vous veniez. Ok, super. Faire la fête avec eux. Salut les amis, les inconnus. Comment allez-vous? Bon, pour moi, c'est très bien. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est le jour où je réussis enfin à gérer cette fuite dans ma maison. Le problème a commencé il y a quelques jours, quelques semaines. Mais vous allez tous me raconter votre vie. Je l'ai trouvé vraiment... Alors j'ai trouvé une fuite vraiment compliquée à gérer dans le couloir de mon living room. Comment c'est arrivé ici? Dans mon salon, donc, le living room, c'est... comment c'est arrivé là, je sais pas. Ce n'était pas notable au début, mais la fuite est devenue de pire en pire chaque jour. Pour tout te dire, j'ai vraiment maintenant l'habitude d'entendre le son de l'eau qui coule sur le tapis. Donc, tu sais pourquoi? Parce que tout... Oui, il répète la même chose. Mais du coup, tu sais pourquoi? Aujourd'hui, tout change car je suis ici à Fixit. Mes outils sont prêts et je suis prêt à tout fixer, à tout régler. Désolé de vous avoir pris du temps. Mais cette fuite m'a vraiment rendu fou. M'a rendu... m'a mis à bout. Ma maison est à côté de l'église aussi. Si tu veux passer et voir ce moment. Ok, donc faut aller du côté de l'église, j'imagine. Ça, c'est une porte, on peut le voir. Ah, c'est bien derrière. Toutes ces plantes. Attends, il y a quelque chose qui brille là-bas, c'est pour nous. Seashell, on a trouvé. Seashell, c'est. Comment ça s'appelle? C'est une coquille de mer. Elle... Ah oui, d'accord, ok. J'ai du mal à traduire, mais... Okay. Quoi? Mais là, vous étiez en couleur, les gens, hein? On peut prendre de l'eau? Non. Bon, bah, c'est cool, cool. Pourquoi la musique, elle est partie loin, hein? Parce que c'est ouvert, je pense. Il y a moins de musique du coup quand vu que c'est ouvert. Et là on va re-rentrer dedans et ça va plus haut. Ouais, on a un toit ici, c'est pas ça. Ok. Bon, parlons avec lui. Pourquoi t'as des bouteilles de ton côté? Salut, on peut acheter... bienvenue à Fixit, on peut vraiment tout fixer avec les trucs qu'on a ici. On peut acheter des fleurs. Pour les gens importants. Par défaut, je dirais oui, mais pourquoi pas, mais là, actuellement, on en a vraiment besoin. Non. Nous, on a besoin d'argent pour acheter à manger pour que Mori puisse survivre. Nino puisse survivre. Oh non, mais là, c'est... J'aime pas faire les courses. On va aller vite, on peut même pas courir dans les rayons. Oh là là, on va aller du côté des bonbons. Hein. Oh, il y a une échelle. Vous demandez? Non. Bonjour. Eh, hey, salut, c'est moi. C'est la joyeuse et... la joyeuse Miss Candice. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, Ismane, Ismane? Le chocolat. Ouais, bah écoute... peut-être plus tard, non? Ok. Donc là, le but, c'est de claquer son argent, mais d'accord, mais... Pourquoi il y a personne ici? Il y a de l'argent, hein? Non. Y'a personne dans le rayon. Salut! On peut acheter du poisson. Ok. Ça coûte moins cher hein, d'acheter de. J'ai un seul boulot, vendre de la viande. 7$. Mais votre viande elle est fraîche, le problème c'est ça. C'est que moi je peux pas le faire cuire, pardon. Mon fils Billy est vraiment fait vraiment attention à l'environnement. Lui et son ami
récupère beaucoup de poubelles. C'est beau de voir autant de jeunes s'occuper de la planète. Et vous, faites attention à la chaîne du froid, là, en fermant les portes. Tous ces conteneurs dans cette section peuvent être recyclés pour créer de nouveaux conteneurs, et ainsi de suite. C'est un tellement beau concept. Oui, ça aurait pu être le concept de base de tout, mais bon. Mon mari n'arrête pas de manger du fast-food, mais je dois être sûr qu'il mange des trucs sains. Ma maman et moi, on achète des trucs sains, donc des sains, pas sains en fait, c'est de la bouffe healthy, je sais plus comment on dit, à part sain, pour être bon pour la santé quoi. À l'autre marché, donc Overmart, parce qu'elle jette tous les snacks de notre maison. Elle a jeté tous les snacks de notre maison hier. Je pense que elle a un peu craqué depuis que mon père mange que du fast-food récemment. Pourquoi on peut pas faire les deux? Ok. Bon, on va parler avec les caissiers et caissières plus tard. Ah, ça c'est là où on peut acheter des médicaments, j'imagine. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre? Salut les enfants. Est-ce que tu veux quelque chose pour les coupures ou les scratchs? Donc les blessures. Bandage. 1$. Bon, par défaut, je dirais oui, mais le problème, c'est que j'ai pas assez d'argent, en fait. Bon, salut, on a toujours un problème d'études. On va discuter avec les caissiers pour voir si on peut avoir d'argent. Type of Tamils on the market. Canette Tamils, je sais pas ce que c'est. À mon opinion, la nourriture est uniquement un véhicule pour la sauce. Ok. Tu te sens stressé, est-ce que je peux te proposer du thé? Le Earl Grey, la camomille est bonne, mais Boba, c'est mon préféré. Je connais pas Boba. On va aller dans les rayons pour voir jusqu'au bout ce qu'il y a. Ah oui, non, on a déjà fait. Du coup. Pas grand chose à voir, Martin. Il y en a pas suffisamment de poubelles. Alors, il y a des trucs dans les poubelles? Non. Je pouvais pas courir, hein, je précise. Ah oui, Fixit, là-haut. Comment dire? Alors attends, apparemment il y a une échelle où on peut monter. Attends, elle est où l'échelle? C'est où l'échelle? Non, peut-être ici, celle-ci? Non. Bon, il n'y a pas d'échelle. Je serais monté sinon déjà. Ok. Oui, je devrais pas traverser comme ça, oui, si on est d'accord. Ouh là là, ça sent le bullying. Attends, on continue de ce côté-là. On arrive. Et là, c'est bloqué, ok. Je m'attendais pas à ce qu'on fasse autant de chemin ici. Hein. Non, attends. Ne pars pas, s'il te plaît. Désolé, je ne peux pas t'aider. Tu es seul. Ouh, il y a l'air d'avoir des problèmes ici. Allons voir. Ce n'est pas mon problème. Si tu as un problème avec elle, tu devrais lui parler. Je t'en prie. Demande-lui juste de me le rendre. Elle veut pas m'entendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est Basile. Quoi, c'est Basile? Laisse-le tranquille, Bully. C'est Basile? Qui? Quoi? Ah, c'est juste qu'elle. Pourquoi tu ne t'occupes pas de ton problème? Mais c'est Berly, lui. Pourquoi tu ne vas pas déranger quelqu'un d'autre, Kim?
Kim et Berly. Ok. Kimberly. Kimberly. Pas mal. Et ah, vous jouez au grand. Vous ne faites pas les règles ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc ça va être Van, je suppose. Ah non, c'est tout le groupe. Ok. Tout le groupe du parc. Ok. Je rappelle, on est en mode Omori. Mais c'est Aubrey? Attendez. Donc, du coup, faites attention à vous. Aubrey! Ce nerd de Kel vient de se pointer et il pense qu'il peut faire le grand. Montre-lui ce que tu vaux. Non, Aubrey, on t'aime bien, nous. Qu'est-ce que tu veux? Ne faites rien à Basile. Comment vous pouvez... On a tous eu l'habitude d'être amis, non? On ne te rappelle pas? Dis-leur, Nino. Nino est ici? Aubrey, s'il te plaît. Oh, c'est vraiment toi. Ça faisait longtemps. Tu n'as pas changé beaucoup. Depuis combien de temps tu as quitté ta maison? 3 ans? Tu n'as pas quitté ta maison? 4? Ça devait être cool de vivre dans ta propre bulle. Attention, Aubrey. Tu ne sais pas ce que c'était. Et ce qu'il a vécu. Qu'importe. Aubrey, s'il te plaît. Écoute-le. Écoute-moi. Eh, arrête ça. Laisse qu'elle, ce n'est pas ton problème. Quel est ton problème, Aubrey? Nino. On doit faire quelque chose. Haha. Est-ce que vous allez vraiment vous battre? On est obligé de se battre contre Aubrey, là? Non. Pourquoi pas? Vous deux, contre moi. Comment ça vous dit? Allez, je vous prends tous les deux. Donne cher, hein. Ah, est-ce que c'est un couteau? On est obligé de... Non? Il l'a coupé, quoi. Oh mince. Aubrey, est-ce que ça va? Tu es blessé? Non, on n'est pas en train de tuer Aubrey, hein. Je vais bien? Non, tu ne vas pas bien, tu saignes. Vite, on doit y aller. Je reviendrai. Vous. Quand on a tapé le mec dans le poster et on a utilisé nos points, pourquoi là on utilise notre couteau? Ouh, c'était n'importe quoi. C'est une bonne chance que tu aies ton couteau avec toi. Quoi? Donne-moi ça. Tu devrais pas te balader avec ça, Nino. C'est dangereux. Aubrey a vraiment changé depuis la dernière fois que tu l'as vu. Elle et ses nouveaux amis ont eu beaucoup de problèmes. Ont créé beaucoup de problèmes. Pauvre Basile. On va voir comment il va. Basile, comment vas-tu? Ça va. Merci. Quel. Je sais pas si t'as fait attention, mais il y avait Nino aussi. Dis bonjour à Nino. Salut Nino. Ça fait longtemps. Oh, une bonne réunion. Est-ce que tu veux traîner avec nous aujourd'hui? Je suis désolé, j'aimerais, mais... Je devrais rentrer à la maison. Vraiment? T'es sûr? Ma grand-mère... Ne va pas super aujourd'hui. Ok.
Essayons de prendre un peu. En marchant un peu vers chez toi, si tu veux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas traîné ensemble. Il va dire non. Ok, d'accord. Merci. Ok. Ah, il faut qu'on y aille direct. Attends, je sauvegarde. Ok, non mais. On vient de poignarder quelqu'un quand même. C'est par là chez toi, non? Bon. C'est pas où chez toi Ah, ça doit être la maison hyper religieuse. Alors, hop, on traverse. On n'a plus peur de traverser, bon. Oh là 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 là. Diagonal from horse. Donc ça doit être pas un diagonal, non? Et le chat. Le chat qu'on voit dans le White Space, ok. C'est ici chez Basile. C'est la maison de Basile. C'est celle avec le toit vert. Ok. Tu as du courrier apparemment, Basile. Voilà, ça m'inquiète de ouf en fait le sujet là, au fur et à mesure. Ok. Merci de m'avoir ramené chez moi. Pas de problème. Si tu as vraiment besoin de, si t'as vraiment besoin de quelque chose, n'hésite pas. On se tient au courant, vas-y. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Attends, ne parte pas. Je voulais. Je suis désolé. J'ai une faveur à vous demander. N'importe quoi, Basile. Qu'est-ce que tu as besoin? Bref, vous voyez. Quelque chose d'important a été pris à moi. M'a été pris. Quand on avait l'habitude d'être ensemble. Est-ce que tu veux vous rappeler que je prenais des photos de tout le monde? Oui, bien sûr, je me rappelle. Ces photos veulent dire beaucoup pour nous. Oui, bah Aubrey, elle a pris mon album de photos. Et elle a. Quoi? Aubrey a volé l'album de photos? Oui, elle veut pas me le rendre. Ne t'inquiète pas, Basile, on va aller le chercher. Ok, merci. À propos. À propos de ce que t'as dit tout à l'heure, on est toujours amis. Je veux que tu le saches, ok? Ok. Bien, je vous verrai plus tard. Bon, allons-y, Nino, il n'y a pas de temps à perdre. On doit récupérer cet album photo. Allons voir du côté du parc pour plus d'indices. Bon, on va faire ça. Je voulais juste voir qui habite ici. Personne. Ok. Donc là c'est la maison rose. Donc ça, c'est les nouveaux habitants, j'imagine. Ok. Un autre monde de possibilités, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Est-ce qu'il y a l'église de ce côté-là, genre? Il y a quelque chose ici, c'est quoi, derrière? Là, il y a des canettes, on va récupérer les canettes, parce que de toute façon, si on revient, on récupère toutes les poubelles. Je vais pas toquer à toutes les portes, on sait jamais ce qui va se dérouler. Qui c'est, ça? Bon, bah plus tard, hein. On peut pas prendre ça, ok. Plus tard, on viendra. Faut que je me rappelle de ça. On vient de donner un coup de couteau quand même à. À Aubrey, je suis un peu mal. On va sauvegarder. Donc là, il traînait ici, normalement. On dirait que Aubrey n'est pas là.
Hey, tu ne t'appellerais pas Charlie? Je sais que tu traînes avec Aubrey de temps en temps. Tu sais où elle est? Tu sais, Charlie. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Aubrey a pris quelque chose d'important à Basile et on doit le ramener. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut t'aider? Oui, il y a mon chat qui est enfermé dans... Ça va être ça? Quoi? C'est Van? Quoi? Que? Quand? Pourquoi tu as fait ça? Ah, mais ce ne serait pas qu'elle et cet ami, ce bizarre ami avec ce bizarre gars avec un couteau? Les adversaires d'Angel? C'est le bon moment pour rencontrer votre apocalypse. Angel, on n'a pas vraiment le temps pour ça. On veut juste trouver Aubrey. Tu ne sais pas où elle est? Tu cherches Aubrey? Intéressant. Je vous dirai ça, mais d'abord, on doit savoir qui se bat le mieux. Mais je ne veux pas me battre contre toi. Pas un enfant, en tout cas. Tu ne serais pas capable de lever un doigt sur moi. Comme un... Défonçons-les, Charlie. Charlie, il a pas l'air d'avoir envie. Ah, Charlie est motivé. Mais Charlie est donc Van, ouais. Ok. Mais j'ai un couteau. Ça va encore partir en vrille, cette histoire. Ah, je lance un ballon, du coup. Il m'a mis une tarte. Ah, ça y est, on n'utilise plus les couteaux maintenant. Ah, ok. Je vais donner de ça. Oui. Relax. On lui donne de la vie ou pas? Même pas. Il va mourir là! Hey, vous m'avez surpris, Kel. Tu ferais un très bon rival pour mon maître. Il nous met des tartes, des petites claques là. Bon bah il est dead, hein. Mais par contre on va galérer avec Charlie. Tu vous allez payer ça. Charlie. Il a rien dit. Comment ça a pu se passer quand... Mon entraînement, il n'était pour rien. Oh, ma tête me fait mal. C'est toi qui a commencé qui a commencé. Bande de... De bully. Ok, maintenant c'est le moment d'être sérieux. On vous a battu. Donc dis-nous où est Aubrey. Une promesse est une promesse, je suppose. Je vais honorer mes mots. Et je vais te dire ce que tu veux. La vérité est, Aubrey est quelque part dans la ville de Forêt. Probablement. Angel, tu devrais arrêter de tout foutre de nous. Je vous ai dit que je vous dirais ce que je savais. Et le trou, c'est que je ne sais rien. La vérité, c'est que je ne sais rien. Tu devrais nous dire où elle est. Ou je le dirai à tout le monde. La fois où tu as pissé dans le lit, au camp de l'été. Quoi? Tu ne vas pas faire ça. C'est tricher. De toute façon, je ne sais pas. Peut-être que tu devrais demander à Maverick. Il est le gardien de toutes les connaissances. Il me l'a dit lui-même. Maverick? Tu veux dire le gamin bizarre, hein, Michael? Tu devrais pas l'appeler comme ça. Il va prendre beaucoup de... il va être offensé, quoi. Je vois. D'accord, c'est lui. Où je peux trouver Maverick? Je te le dirai ce que je sais, mais tu devrais me battre. Oh, je pourrais dire aussi beaucoup de choses. Ok. Ok, d'accord, je dirai. Mon maître est à la fontaine, à la place... Enfin,
Il va dire qu'il a dit qu'il allait rencontrer des filles là-bas. Pour un date ou quelque chose comme ça. Ok, dégoûtant qu'elle a dit. Ok, allons-y Nino, la place, enfin ouais, et après on aura fini. Il nous faut de la vie par contre, monsieur Kel, je crois que tu es dans un sale état. Donc on va te donner le first aid kit là. On va sauvegarder ici. Là on va se retaper, j'imagine, on va faire que se taper. Wow, choqué. On se tape contre tout le monde là. Oui, il faut qu'on donne ce qu'on a trouvé. J'ai vu de la thune. Ah merci, 6$. Bon, c'est pas suffisamment. On vous a déjà tous vu. Et ça doit être là. Maverick. Et à ce moment-là, je lui dis, ce n'est pas Maverick. C'est LE Maverick. LE Maverick. Ah, c'est trop marrant. Quelle incroyable histoire, Maverick. Allez, les filles, s'il vous plaît. C'est suffisant pour moi. Qu'est-ce que tu fais, Michael? Ah! Si ce n'est pas qu'elle, mon arc-némésis. Finalement, ici pour admettre sa défaite, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps pour ça, Michael. On cherche à Aubrey. Est-ce que tu l'as vu récemment? Arrête de m'appeler comme ça. J'ai rejeté son nom il y a longtemps. Michael, est-ce que tu sais où elle habite? Arrête avec ce nom interdit. Comment tu mets... pourquoi tu te moques de moi? Moi, Maverick, je vais me battre pour ça. Prépare-toi à trouver ton... une phase sur Doom, ouais. Regardez ça, les filles. Je vais laver le sol avec ces losers. S'il te plaît, Michael. Ne fais pas ça à toi-même. Je vais te demander une fois de plus. Battez-vous. Ne soyez pas des chicken. Est-ce qu'on va vraiment faire ça? Ok. Allez, viens Nino. Défonce son jeu. Ça se finit qu'en tape d'enfant. Ah mais c'est le Captain Space Boy. Salut Captain Space Boy. Idiot pitoyable, tu n'as aucune chance contre Maverick. Bah... Bon, ça va, hein. Ça a l'air d'aller, hein. Pas si mal. Mais ce combat ne devient qu'intéressant. Ah, ça va être compliqué. Ah, il est énervé. Il a pris 46 dommages. On peut pas jouer avec les... Haha, comme je m'y attendais, tu es mon rival. Mais je devrais te dire... Quand tu faisais des bêtises et que tu faisais du sport, je m'entraînais pour les techniques, pour ce moment. Tu n'atteindras jamais mon niveau de capacité. Tu vas tomber, Kel. On peut pas l'utiliser sur quelqu'un d'autre? Non. J'ai pas de snack. Bon, bah j'ai pas de vie. Encourage. Bon, bah... Encourager... Double truc. Ah, oui, carrément. Allez. Est-ce que ça augmente ses coups? Oui. Aïe aïe aïe. 25, est-ce que ça augmente encore? Non. Ok, faut faire des attaques. C'est tout ce que t'as? J'ai vraiment utilisé que 10% de mon pouvoir. Attention, la forme finale.
Ouh là là. Je crois que quel tu vas tomber. Hein. J'imagine que tu regrettes ta décision. Je suis vraiment trop cool pour vous. Vous n'êtes rien que des losers. C'est seulement... un peu de temps avant que vous fatiguiez vous-même. Ma victoire est proche. Je pense que c'est fini, là. Ouais, je pense que c'est fini. 42, ouais. Je vais admettre que je suis impressionné, mais tu es vachement très loin de me battre. C'est fini ou quoi? Non. C'est impossible. Improbable. Absolument inconcevable. Allez. Quel est ton but? J'aurais pas dû m'arrêter, j'aurais pas dû l'encourager deux fois. Je ne vais pas m'arrêter comme ça. Ça n'en finira pas comme ça. Il a fui. Non, ça ne peut pas être fini pour moi. Les humains. Prêtez-moi mon pouvoir, référence à DBZ. Qu'est-ce que c'est que ce gars? Il est tellement craint. Ça ne mérite pas 10$. Allez, on se casse. Bah ouais, en même temps, tu fais... Les filles, restez avec moi, s'il vous plaît, revenez. J'ai pas d'argent. J'ai plus d'argent. Ah ouais, donc du coup, il est payé. Ouh là là. Ah, il est... Quoi? C'est pas ses cheveux? Michael. Il n'y a personne de son nom ici. S'il te plaît, je ne vais pas te redemander. Dis-nous où est Aubrey. On va aller voir Aubrey et après on va s'arrêter, je pense. Ok, d'accord. Je sais où elle est et je vais vous le dire. À une condition. Tu dois m'appeler par Maverick. Ok, oublie ça. On va juste trouver Kim et elle sera souvent, sans doute avec Aubrey. Oui. Elle et Evans sont des Major Sugarheads. C'est des addictifs du sucre. Et je suppose qu'ils sont proches de bonbons. Bah du coup ils sont dans le magasin. Pour récupérer la thune. Hobbies, il n'y avait pas de bonbons, mais par contre, dans le Overmart, il y avait des bonbons. Donc, on va se mettre là. Est-ce qu'on peut acheter de la... Non. On va peut-être aller voir la pharmacie. Histoire de... d'acheter un peu de la vie, là, pour qu'elle... assez d'argent pour pouvoir manger. Et à Kim. Kim Evans. Ok. Ils sont ici. Vite, Vance. Mettons tout ça dans notre poche. Et avant que quelqu'un nous voit. Est-ce que tu aurais vu à Aubrey? Mince, c'est le nerd Kel. Allez, Vance, on doit se barrer. Oh, attendez. Je ne pense pas que vous ayez payé pour ça. Par Getaway The Way. Donc, casse-toi, nerd. Tu ne me connais pas. Je ne suis pas ici pour pouvoir balancer. On doit juste trouver Aubrey. Tu sais où c'est? Où elle est? Aubrey, je ne sais pas. Et si je le savais, je ne te le dirais pas. J'en ai marre.
faisons un deal. Dis-moi où est Audrey et je ne te balancerai pas pour avoir volé des bonbons. T'as dit que t'étais pas une balance. Et je n'ai pas besoin de lettres si tu me dis où est Audrey. Vous deux encore? Je vous l'ai déjà dit de ne jamais revenir ici. Donnez-moi les bonbons volés. Ne faites pas en sorte que j'appelle les policiers. On a été cramé. Ok. Prends tes bonbons. Il est méchant, Kim. Allons-y. Allez, Vance. Sortons d'ici. Ah, ça... Tu le mérites. J'imagine que c'est elle, Sweetheart. Comment on va trouver Aubrey maintenant? Allez, Lino, suivons-les. J'ai une idée. Attends une seconde, Lino. J'ai une idée. Il a acheté des bonbons. Désolé de t'avoir fait attendre. Allons attraper Kim Evans. Du coup, ils sont sortis, j'imagine. Désolé, Vance. Pas de bonbons aujourd'hui. Il est un peu vieux, Vance. Il a de la barbe, hein. Pas encore. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Je me sens... On va mourir. Rentrons à la maison. On va être en retard pour le manger. Kim, j'ai quelque chose pour toi. Quel? Ici, toi encore? Qu'est-ce que tu veux? Dis à Aubrey que... dis-nous où est Aubrey et je te donnerai ce gros sac de bonbons. Vraiment, l'entièreté du sac? Je veux... Tu ne peux pas nous acheter avec des bonbons. Pour qui nous prends-tu? Je ne sais pas, Kim. Vance, il parle. Je ne sais pas, Kim. On n'a pas vraiment eu de bonbons de toute la semaine. Peut-être que et avec ce sac de bonbons devant nous, on n'a pas besoin de le payer et tout. Est-ce que tu peux au moins faire comme si... he has any teffy in there. Je sais pas. Arrête, Vance. On doit être fort. Quand on va rentrer à la maison, on pourra avoir tous les bonbons qu'on veut. Ok. Je le ferai pour toi. Ah, 6. Donc c'est Kim Kimberly. Ah, vraiment. Je vous attends. Ok. On accepte ces bonbons en échange... Vraiment? J'étais sûr... on n'accepte pas les bonbons. J'étais sûr que ça allait marcher, dit Kim. C'est vraiment un temps perdu. Partons. Attends. S'il te plaît, Kim. Tu es le seul chemin qu'on a pour retrouver Aubrey. Prends ce sac de bonbons. On n'a rien caché dedans. Est-ce que quelqu'un a dit taffy? Alors ça doit être des styles de bonbons. Je vois. Je sais pas ce que c'est. Ça change beaucoup de choses. Tu veux vraiment savoir? J'ai fait bon ça avec des points. Si tu gagnes, je te dirai où est Aubrey. Si nous gagnons, tu me donneras tous les bonbons et je ne te parlerai plus jamais. Attends, on n'a pas besoin de se battre. Si tu me dis juste où elle est, je te donne le bonbon. Mais je veux me battre. Allez, viens. Venez tous les deux. C'est le moment de se taper dessus. Qu'est-ce que vous avez tous à vous taper? C'est une bonne question, ça. J'imagine que nous n'avons pas de choix. Allez, Nino. Tu connais le principe. Je vais vous montrer la taille de... La taille n'est pas tout. Je ne vais pas perdre contre des nerds comme vous.
taper lui là-bas. Hein. 41, et l'autre, 34, ok. Donc ça fait mal. 9. Oulala. Oulalalala, et c'est un gros sac de PV. Mais alors, du coup, on va essayer de taper quand même Kim. Pour voir si on peut l'avoir déjà eu, déjà elle. J'ai pas de... Mais du coup, on va pouvoir utiliser bonbon, non? Non. Ok, mais Van c'est toujours debout. Oulala. Mais c'est un 5 à pavé aussi. Ah, y'a plus qu'elle déjà. Cher. Cher. Pire en pire. Et j'utilise pas son le jus en façon. Je veux gagner en fait. Il attaque deux fois quand même. Oula, ça fait mal. Il va attaquer deux fois. On va encore le faire. En fait, tant que je tape pas, il me tape pas. Si j'ai bien compris. Non, c'est bon, il m'a tapé. Wouah, la double. On peut pas se permettre de perdre là, hein, je crois. Que de combats de rue aujourd'hui, hein. Purée. En fait, c'est à chaque fois que je compte attaquer, il m'attaque. Il a pas envie de m'attaquer quand j'attaque pas. Il me retape. Triste, pourquoi? Et du coup, ça remonte à 4 ans maintenant. Ah ouais, c'est à un certain niveau, en fait, il est triste automatiquement, ok. Ah, ça commence à être dans le mal. Il est énervé, j'ai l'impression. Ce qui veut dire qu'il va me taper plus fort. C'est limite, hein. Beaucoup de respiration, hein, Nino. On est bientôt là. Ah ouais, il y a plus de défense aussi quand on est triste, je crois. Là, il est plus triste, donc du coup, normalement, c'est vraiment bon. Ok, ok. On va y arriver, hein. C'est bon. Tout ce que je voulais, c'était du taffy. Mais je sais pas ce que c'est. Peut-être que je regarderai. Je regarderai ce que c'est. Je crois pas que j'ai perdu, que nous avons perdu. On ne pouvons pas vous laisser aller voir. On peut pas dire que à Aubrey ce qui s'est passé. Allez Kim, on doit y aller. C'est bientôt l'heure de dîner. Et maman nous appelle. Elle sera triste. Enfin,
Mais je suis pas contente si on rentre à la maison tard. Non, ça, allons-y. Et il faut que j'aille chercher de la vie aussi pour qu'elle... attendez, on a gagné, hein, donc du coup, où est Aubrey? Oh, oui, c'est vrai. Aubrey est à l'église, à côté de la maison, de sa maison. Quoi? Aubrey est à l'église? Eh, me regarde pas. Vous êtes le... Vous êtes le... T'es le seul à avoir demandé où c'était. Hein. Et elle a demandé... if she asks... Et... Si elle demande qui te l'a dit, tu ne diras à personne que c'était nous. Dis que c'était Michael ou quelqu'un. Allez, Kim, on doit y aller. Tu sais que maman... comment on va être maman quand on sera... Si on arrive en retard. Oui, 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 allons-y. On se sent plus tard. Nerves, ok. On va aller acheter encore bah, de quoi faire survivre Ken. Ouah, c'est fou. Ils ont pris le gros sac de bonbons quand je ne regardais pas. Ces deux-là ont des ont vraiment des stick fingers, c'est une manière de dire que c'est des petits qui ont les doigts agiles. Maintenant on sait où est Aubrey. Au moins on sait, on pense où elle est, on pense savoir où elle est. J'imagine que Aubrey est à l'église. Mais je n'y crois pas vraiment. J'y croirai quand on y sera. Alors j'oublie pas de vous rappeler que c'est un jeu avertissement, je vous le remets. On va voir Aubrey, on récupère de la vie chez le pharmacien et on va s'arrêter là, je pense. Donc du coup l'église, je crois pas qu'on sache où est l'église. 5$, c'est pas mal. Est-ce qu'il a besoin de vie au mourir? Bon, pas vraiment, parce qu'en fait, on est... Il se soigne lui-même. Est-ce que je peux le calmer, d'ailleurs? Est-ce que je peux utiliser les skills, maintenant? Non. Ok. De toute façon, c'est pas grave. C'est surtout quel qu'on a besoin. Ok, ok. Bon, bah, vas-y, on y va direct. Hein. Petite course à pied. Je sais pas où est l'église, mais on va trouver. J'imagine que c'est par là, hein. Là, peut-être là où il y avait les travaux. Non, c'est pas là. Alors du coup, faut traverser. Il y avait un toit jaune normalement à côté de l'église. Peut-être que... Alors là, c'est là où on habite, je crois. Après, il y a les gens croyants. La maison de Kel. La maison de Nino. C'est pas là. D'ailleurs, je peux changer? Non, je peux pas changer de personne. On va traverser comme on doit traverser. Hein. On va essayer ici. Moi je soupçonne que c'est par là de toute façon puisqu'il y avait des gens qui étaient partis. De ce côté-là. On va aller par là. Ouais, c'est l'église. Exact. Eh bien on y est. C'est vraiment la dernière place où je pensais la trouver. Je suis vraiment sceptique que après, ça peut être un piège. Je vais ouvrir la porte histoire de regarder un peu. Ça a l'air normal. J'ai l'impression qu'ils sont en plein milieu du sermon. Ah, elle est sur la droite. Hmm. Elle est juste assise ici. Normal. Bizarre. Je me sens un peu mal d'interrompre ça. Mais on devrait vraiment attendre que. On devrait peut-être attendre que le sermon soit fini. Et comment on sait le fond? Faut attendre aussi? Il y a le cimetière. Okay. Comment on fait? On attend ou on débarque? Bon, vas-y, on débarque.
On va pas foutre le bordel de toute façon. Ah, je pensais pas que t'allais rentrer comme ça, Nina. Nino. Y a pas moyen de se retourner maintenant. On doit être vraiment silencieux. Je sais pas pour vous, mais moi ça grésille un peu. Au niveau des textures. Bah j'espère pas. J'espère pas, Thomas Toujours. Elle est ici, sur la droite. Parce que déjà que tout le fait qu'on poignarde un peu tout le monde, c'est un peu compliqué. En plus, on l'a blessé Aubrey juste avant. Donc c'est un peu triste. Marchons et mettons-nous juste derrière elle. Là, elle est sur la droite. C'est celle qui a les cheveux roses. On peut s'asseoir ou... Pas ici ? Ouais, c'est un peu... En fait, là, on a besoin de récupérer le journal de... To the pew behind... c'est là ? Bah, c'est là. Derrière elle. C'est ça ? C'est elle, là. Oui, c'est bon. Ouais, c'est super bizarre de revenir la voir. On la traque, c'est le cas. C'est le cas, on lui a donné un coup de couteau parce qu'elle voulait se taper contre nous avec sa batte à clous et elle a piqué les photos de Basile. Donc, Aubrey, on a tapé quand même tout le village, hein, je tiens à préciser aussi, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous faites là? On voulait que tu nous rendes l'album de photos de Basile. Vous êtes toujours là pour ça? Ce n'est pas votre problème. Vraiment? Pas de notre problème? De mon problème, plutôt. On avait l'habitude d'être amis. Mais maintenant, ce n'est plus notre problème. Oui, Kael, exactement. On avait l'habitude d'être amis. Tu sais, Marie, tu serais vraiment triste de t'entendre dire ça. Vraiment? Tu veux vraiment mettre Marie dans cette histoire? Qu'importe ce que pense Marie. Ah, Marie est morte. Je m'en doutais qu'elle était bizarre, Marie. Bon, là, elle est morte. Dans ce côté-là du monde, elle est morte. Aubrey, sérieusement? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Là, il est un peu crié, non? Je comprends que tu as de nouveaux amis et tout, mais tu ne peux pas oublier juste les anciens comme ça. Mes vieux amis n'étaient pas là pour moi quand j'en avais besoin. Ah, c'est à propos, c'est donc ça. Quand Marie est décédée, on a dû tout gérer nos propres problèmes. On était des enfants. C'était dur. Alors, je rappelle que dans l'avertissement, j'ai mis perte. Hein, c'est principalement ça. On était des enfants. C'était dur. Tu penses que c'est si simple? Tu as toujours été si simple. Okay. Alors là, c'est double sens, hein, parce que ça veut dire aussi idiot en anglais. Et oui, et donc? Je préfère être simple que être comme toi. Comment t'as pu faire ça, Basile? Tu sais à quel point c'est important pour lui. C'est important pour tout le monde. Pour nous tous. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que tu dois le voler. C'est ce qu'a dit Basile. C'est moi qui le garde en sûreté. De quoi tu parles? L'album photo de Basile appartient à Basile. Et je ne vais pas partir tant que tu n'acceptes pas qu'on va lui rendre. Tu es si persistant. Alors là, je suppose qu'elle parle uniquement à elle. Quand Marie est morte, tu as vraiment réussi. Enfin,
tu peux pas dire réussi. T'as dépassé ça très rapidement. Tu sais pourquoi je viens ici toutes les semaines? Même après tout ce temps, j'essaie toujours de trouver de la paix. Mais je n'ai pas l'impression que ça arrive. On n'a pas parlé depuis 4 ans, Kel. Beaucoup de choses ont changé en 4 ans. Toi et Nino, vous pensez que vous pouvez revenir dans ma vie et me dire ce que je dois faire? C'est pas faux. Ne soyez pas naïf. Tu peux être différente et agir différemment, ouais, mais tu es toujours la même personne. La Aubrey que vous connaissiez n'est plus là. Et l'Aubrey qui était, et la Aubrey qui était votre amie, elle n'est plus là depuis longtemps. Ok, d'accord. Je comprends pourquoi tu es énervé. Et si tu veux... Alors là, c'est mal dit pour Kel, hein. mauvais timing. Si c'est une apologie que tu veux, elle est ici. Je suis désolé, ok? Mal dit en plus. J'aurais dû être là pour toi quand tu as perdu Marie. Ah, donc c'est peut-être sa sœur. Elle est silencieuse. Non. J'accepte pas ça. Attends. Où tu vas? Je ne peux pas te laisser partir avant que tu aies rendu l'album de photos de Basile. Voleuse. Qu'est-ce qui se passe? Basile. Ce n'est pas cet enfant qui... J'ai vu Aubrey et son ami. Qu'il a... Ah oui, et son ami... I've seen Aubrey and her friends, Billy. No, she's stealing as well. Je l'ai donc du coup, elle a déjà été vue en train de bully des gens et maintenant elle vole. On est en train de lui faire une réputation. Mince. Oups. Ouais, elle est mal. Pensez être les bonnes personnes, Kel. Et je suis la grande méchante. Ici pour terroriser les pauvres et les deux et le pauvre et le sans défense Basile. C'est toi qui traînes avec le psychopathe qui se balade avec un couteau. Ce n'est pas le bon moment, Aubrey. Ce n'est pas à toi de le dire. Ce n'est pas à toi de dire ça. C'est toi qui intervient ici. Je suis désolé. J'ai déjà dit que j'étais désolé. Bon, c'est vraiment une discussion d'enfant. Si vous voulez vraiment que je bully, je vais bully, hein. Vous avez intérêt à venir vite. Ou je vais venir prendre la première. Et voilà, on est reparti pour la tape. Avec Aubrey. Et quelle est énervée en plus. Donc moins de défense, je crois. Bon bah c'est parti. C'est la deuxième fois qu'on la tape. Sauf que cette fois-ci, j'ai pas le couteau. Regarde ces fringues. Elle est complètement... Ah oui, donc ça c'est les rumeurs en plus. C'est complètement inapproprié pour le guide. Je crois qu'on a rajouté sexisme aussi. Pourquoi vous êtes là? Il a pris méga cher dans le cas. C'est incroyable qu'elle ait pu ramener une arme ici. Eh bien, c'est la joie, cet épisode. Que font ces délinquants? Ce n'est pas c'est un endroit de prière. Quelqu'un a besoin de... Quelqu'un devrait les arrêter. Où sont leurs parents?
elle fait très très mal. Bon, voilà. Ça, tu mérites ça, Ken. Maintenant, laisse-moi tranquille. Je pense qu'on pouvait pas gagner. Elle m'a mis deux coups et c'était dead. Depuis qu'elle a perdu son père, elle est incontrôlable. Irrespectueuse, je me sens mal pour sa mère. Ok. Je la rajoute, hein. Je sais que elle est un peu partout, mais récemment, mais je me sens quand même désolé pour elle. Peut-être que c'était une mauvaise idée. Ah bon? Je pense qu'on pouvait pas faire grand-chose. Je sais pas si le fait de pas rentrer, on aurait pu attendre. Je me demande si c'est vraiment un jeu à choix, en fait. Bon, bah du coup, on trouvera pas l'album de photos. Bon, alors du coup, j'avais dit qu'on s'arrêtait là. Je vais aller sur... Je vais aller... Je crois qu'elle habite là. Salut les amis. Ah, on va pouvoir voir... le réparage, là. Non. Non, ouais, c'est tant pis. Pas tout de suite alors, j'imagine. La maison jaune, c'est les nouveaux arrivants. La personne. Et j'imagine que ça, c'est la maison du coup de. De Aubrey. Ou celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Acheter. Est-ce que t'as vu ça? Aubrey a juste jeté un truc dans ses poubelles. Vérifions. Tu croiras pas, c'est l'album de photos de Basile. Je crois pas qu'elle aurait pu juste le jeter comme ça. C'est une bonne chose qu'on a regardé à l'intérieur de sa poubelle. Bah, je sais pas en fait. Franchement, je sais pas. Je rajouterais harcèlement et sexisme, moi perso, dans mon truc. Maintenant, il nous reste juste le reste de la demi-journée. Tu parles d'un travail de groupe. Et si on se tapait dans la main? J'ai vraiment le choix là. En plus, elle les regarde par la fenêtre, c'est sûr. Donnons ça à Basile avant qu'il fasse nuit. Il sera tellement heureux de le voir. Bah, du coup, d'abord, on va faire un truc. On va essayer de sauvegarder. Peut-être au parc. On va sauvegarder au parc. Regarder l'album photo parce que je pense qu'il est différent de celui qu'on a de l'autre côté. Ou du moins dans les souvenirs de Maury, en tout cas, pas de Lino. On peut pas la regarder ici. Donc Nino, lui, fait du violon. Quel qui s'amuse bien. On a perdu Basile en fait dans l'autre monde. Parce que là on est plus au Maury là. On est Nino. Il y a deux mondes. C'est le monde le plus réaliste, celui dans lequel on est. Et du coup, le monde de Maury, c'est le monde fantasmé, je pense, de Nino. Donc du coup, c'est à ce moment-là où il s'appelle Omori. Et il retrouve ses ennemis d'enfance, du coup. Parce qu'ils ont une relation différente dans le monde réel. Si on parle de réel de ce côté-là. C'est-à-dire de la représentation du monde.
Et du coup, il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent, mais d'une autre manière. Par exemple, Marie est toujours là, c'est elle qui nous fait les sauvegardes et nous, qui nous donne de la vie. Et du coup, on a perdu Basile au début, qui a fait une crise. Alors, on ne sait pas exactement quelle crise c'est, mais en tout cas, ça a créé une sorte de trou et qui nous a ramenés dans le monde réel. Perdu de vue, décédé, on ne sait pas exactement. En fait, il y a une sorte, il a été d'une certaine manière dans un trou noir. En fait, tout est devenu noir et on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais on s'est retrouvé dans le corps de Nino. Et c'est à ce moment-là où on a donné le nom. Donc là, je joue à Game Boy, j'imagine. Donc là, c'est Hero, qui est donc le frère de Kel, dans ce monde-là. On sait pas exactement leur relation dans l'autre monde, justement. C'est que maintenant qu'on commence à comprendre. Hero a gagné. Il aime bien quand même. Donc là, c'est Basile et Nino. Et là, Nino, il a les fringues de Omori. Et là, c'est toute la famille. Ah! Ça, c'est une photo qu'on a déjà retrouvée de l'autre côté. Et apparemment, on peut lire aussi, mais on lira après. Ça aussi. Donc là, c'est Aubrey. Ça, c'est des images qu'on n'a pas. J'aime bien cette image-là. Quel, Aubrey. Quel. Elle est trop bien, cette image! Elle est trop bien! Celle-ci, elle est pas mal aussi. Cadeau. C'était un chat. Oh, ils sont trop mignons. Donc ça, c'est quel... Ok. Alors, on a dit que... Je me rappelle qu'il y avait... Marie prenait des photos. Donc là, par exemple, c'est Marie qui a pris cette photo-là, parce que Basile est dans la photo. Toutes les photos où il n'y a pas Basile... Où il n'y a pas Basile, c'est Basile qui prend la photo. Et là où il y a Basile dans la photo, c'est Marie qui la prend. En général, c'est ça qui était dit dans l'autre monde d'ailleurs. On va appuyer sur Shift pour voir ce qui se fait, ce qu'il y a à lire. Donc ça, c'était on va voir l'été. Premier jour d'école. Aubrey est si photogénique. Je suis allé aux toilettes. Et j'ai fait... oui, c'est ça. Et j'ai pris cette photo. Qu'elle dit qu'elle a pris une photo par lui-même, mais je ne crois pas. On a essayé d'attraper des bestioles. Nino aussi. Il a l'air en train de dormir. Et parce qu'en fait, il fait des phases, je crois. Nino ne veut pas quitter la boîte, donc qu'elle a mis de la bouffe dedans. Ah, il s'appelle Miyu, le chat. J'imagine que Nino et Miyu, c'est leur nouvelle maison. On peut pas vraiment le dire au vu de cette photo, mais Marie et Hero a offert un grand jeu de bois à Nino. A offert un grand jeu de bois à Nino. Mais il a l'air plus intéressé par la boîte. Il agit comme si c'était le chat de Marie. Donc c'est le chat de Marie, le noir. Nino tient un super grand cadeau de Marie et Hero. Je me demande ce que c'est. J'imagine... Quand on va voir Hero, ça va être dur aussi, je pense. Nino a 12 ans. Même si Nino, Aubrey et Kiel sont dans la même école, sont de la même année, donc ils ont le même âge. Nino est le plus jeune. C'est le bébé du groupe. Donc on doit prendre soin de lui. On a enterré Nino dans le sable. Ça a pris énormément de temps, mais il a l'air de s'amuser. Je me demande s'il aura besoin d'aide pour sortir. Je suppose que... On pourra lui tenir compagnie jusqu'à là. Kel se rafraîchit. J'aurais pas dû m'approcher aussi près. Kel est connu pour pouvoir recracher son ski bois. Ou faire tomber plutôt.
C'est le premier jour des vacances d'été, donc du coup, on a tous voulu le célébrer en allant à la plage. La pastèque et le... Ah, c'est pour ça qu'il y a plein de pastèques aussi. C'est les favoris d'Aubray. Ok. C'est plutôt... on est plutôt occupé par l'école en ce moment, mais on a vraiment fini à temps... on a réussi à finir à temps pour être ensemble et aller au parc. Ici, c'est Kel qui s'est accroché à l'arbre parce que, au niveau des pieds. C'est un tellement bon grimpeur. J'espère être aussi, d'avoir moins de peur que lui, autant que lui. Juste Kel, être Kel. On a été à Hobbies et le gérant a dit de laisser sa veste à l'extérieur pour pas que Kel mouille les BD. Désolé. Aubray ne veut pas laisser Kel sous le parapluie, mais Kel n'a pas l'air d'être bien. Il a dit qu'il aimait bien le goût de la pluie. Il pleut beaucoup. Donc Aubray lui a demandé de prendre une photo avec son nouveau imperméable. C'est sa couleur favorite, le rose. Donc héros qui fait toujours une couronne de fleurs. Ça prend un temps, mais il y arrive. On doit admirer sa persistance. Marie essaie d'apprendre à tout le monde à faire des couleurs. Donc là, ça, c'est exactement la même histoire aussi dans l'autre monde, parce que justement, c'est important, parce que c'est lié à Marie. C'est nous tous qui on fait des câlins grosso modo sur les animaux les nounours de Nino quoi. Il en a tellement, ils sont tellement doux, j'espère que on pourrait rester comme ça tout le temps. Moi en train de montrer à Nino un bouquin que je lisais. Marie a volé ma caméra et elle a pris cette photo quand je faisais pas attention. Je devrais faire attention à mes objets. Kel sentait un peu triste à propos de perdre héros, d'avoir perdu contre héros au bras de fer la nuit dernière. Donc du coup, héros a décidé de faire un bisou. Mais quelle alerte et ennuyé. Une amitié. Deux frères. Désolé, Kel. Plus de chance la prochaine fois. On est revenu du parc, mais Kel a l'air tellement d'énergie. Donc, du coup, il a challengé héros en bras de fer. On sait très bien qu'il va gagner. Mais essaye d'être. Please go easy on him, héros. Donc essayez d'éviter d'être trop dur héros. Donc Nino qui joue au jeu. Il est un peu timide, mais c'est quelqu'un qui écoute bien. Je me retrouve toujours à discuter avec lui quand je suis énervé ou stressé. Des fois j'ai l'impression de m'ennuyer, mais ça n'a pas l'air de le déranger. Kel being Kel. Kel être Kel. Avec tant de chapeaux. Sa première photo, c'est mon meilleur ami Nino en train d'essayer de faire du violon. Il a appris à faire des. Il a appris récemment. Ah oui, du coup, il faut que je trouve le violon dans le monde, c'est vrai. De manière à ce qu'il puisse jouer avec sa sœur. Ah, c'est la sœur de Nino! Bon, on va donner ça et après c'est fini. Et après je laisse le champ pour d'autres streams qui font des millions de vues. Le Zedlan. Hop. J'ai trouvé directement le champ, hein, c'est beau. Toc toc toc, Basile.
C'est ton ami Kel et Nino. C'était les amis. Oh, salut. Qui êtes-vous? Basile? Vous n'êtes pas Basile? Ah, désolé, je suis poli. Je suis celle qui... La tutrice? Caretaker, c'est celle qui prend en charge Basile. Oh, salut, Kel. Qu'est-ce qu'il y a? La sœur, c'est Marie. C'est la sœur de Nino. Donc ça veut dire que Marie est morte et c'est la sœur de Nino, donc du coup c'est Nino qui a dû prendre le plus cher aussi, parce que c'est sa sœur, sa grande sœur. Salut Basile, on a eu ton album photo, mais du coup il a l'air d'avoir aussi beaucoup de problèmes, Basile aussi, parce que là il a quand même quelqu'un qui s'occupe de lui. Oh, vous l'avez récupéré, super, merci. On rend du coup son album photo. Basile, tu m'as pas dit que tes amis allaient venir. Est-ce que vous voulez nous accompagner pour manger? J'ai l'impression de toujours de faire trop. Manger? Bien sûr, ça semble délicieux. Allons-y, Nino. Le dîner est gratuit. Alors attention, parce que quand on est proche de Basile, en général, c'est un peu le problème. C'est que la dernière fois, il nous avait un peu craqué dans les doigts. Et là, ça risque d'être la même chose. On a moyen de sauvegarder après, donc c'est très bien. Alors là, elle nous dit, faites comme si vous étiez chez vous. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici. T'as vraiment beaucoup de plantes maintenant, qu'avant. Oui, je les aime beaucoup. Il y en a certaines qui sont encore vivantes. Depuis que vous êtes parvenu, en fait. Ah, tu es vraiment trop doué. C'est Basile pour toi. Basile pour moi, c'est des fleurs et des photos. Oh, ça me rappelle qu'on a ramené ton album photo. On peut regarder les photos ensemble. Je ne sais pas. Ça fait longtemps. On devrait les regarder ensemble. Allez, viens. Mais on a déjà fait. Donc on va un peu zapper. Ok. Je m'en doutais. Enfin, j'aurais pu m'en douter, ça. On aurait évité de le regarder. On va sans doute avoir les commentaires, par contre. Non, apparemment. On fait comme ça, on les regarde. Oui. Nous avons déjà tout vu. Oui. Ma foi. Oh, c'est intéressant. Oui, on a fini. On dirait qu'il manque encore des photos. Ah oui, c'est vrai qu'on doit trouver des photos. Et on avait essayé de chercher des photos. Peut-être que Aubrey a gardé ses photos pour elle. On devrait aller voir ça plus tard. Oh, le bon côté, c'est que... Regardez comment j'étais petit. Moi, j'ai pris un pied, donc une taille en plus. Donc un pied, je sais pas comment ça fait en mètres, hein, me posez pas de questions, c'est centimètres aussi. Je n'ai pas hâte que Hero revienne. Cette année, je serai enfin plus grand que mon frère. En tout cas, ne stressez pas par rapport aux photos qui manquent, Basile. Moi et Nino, on va s'occuper de ça. Toi, tu dois t'occuper de toi-même, grosso modo. Ok, merci. Je vais essayer. Désolé de l'attente, le dîner a pris du temps, mais est-ce que vous voulez aider? Bah oui, pourquoi pas. Je vais aider, j'ai quelques expériences depuis que mon frère fait à manger. Oh, ça serait super sympa. S'il vous plaît, suivez-moi du côté de la cuisine. Alors la dernière fois que Basile avait craqué, c'était avec Omori aussi. Donc du coup, c'est possible. Attention les oreilles. Non mais là je regarde.
Je peux parler avec Basile? Oh, salut Nino. Bon bah on va visiter hein. À la caméra. Il prend plus de photos. Parce qu'il y a de la poussière. Donc il a des livres sur les plantes hein, en intérieur. Bonjour Maurice. C'est en fait son Maurice, c'est son miroir direct. Ouais, donc il a tout pour faire des plantes. Sa grand-mère a l'air d'aller mal. Et ça, c'est quoi? Alors, c'est une orchidée blanche, aigrette, je sais pas ce que c'est. Dans le langage des fleurs, ça symbolise la phrase « Mes pensées suivront... te suivront dans tes rêves. » S'il te plaît, qu'il n'y ait pas Basile qui arrive, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Salut Nino, je ne m'attendais pas à te voir ici. Ah. Comment vas-tu Nino? Est-ce que tout va bien pour toi? Ok. T'en fais pas. Grand-mère, est-ce que tu peux nous entendre? Ne peut pas nous entendre, tu sais. Elle se sent de moins en moins bien. Ça fait au moins 4 ans, n'est-ce pas? S'il te plaît, Basile. C'est cool de te revoir. Même si c'est pour un petit moment. S'il te plaît, Basile. Tiens, prends ma photo. Je veux que tu l'aies. J'ai confiance en toi pour ça. Je pense que tu pourrais l'utiliser plus que moi. S'il te plaît, Basile, fais pas de bêtises. Beaucoup de choses sont arrivées depuis que ces photos ont été prises. Des fois, j'ai l'impression que c'était un mauvais rêve. C'est dur de se rappeler. Mais je pense que... Au moment où j'ai pris les photos, j'avais plus peur... what I was most afraid to lose... Ouais, j'ai pris ces photos au moment des choses que j'avais peur de perdre. En regardant cet album, tu peux voir aussi les bons moments. Peut-être qu'un jour, les choses reviendront comme elles étaient. Nino, Basile, la bouffe est prête. Ok, on y va. S'il te plaît. Là, le silence, là. S'il te plaît. Faut que je m'assoie. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Polly et moi, on a travaillé très dur pour ça. Vas-y, prends une chaise. Prends une chaise. Alors, la bouffe de Polly est quelle? Est-ce que je veux manger? Oui. Tout a l'air bon, tu es la meilleure, Polly. Oh, c'est rien. Je suis juste les recettes de ma grand-mère. Merci de ton aide, Calais. Vous entendez le bruit du... Il y a un bruit de fond, hein. Climatisateur ou frigo, je sais pas. Donc, je disais à Polly... Demain, mon grand frère rentre du collège, de l'université, j'imagine. Ma mère est trop contente, donc elle a préparé toute la maison et tout, et tout. Et on n'a pas envie d'être dans ce bordel. Mais moi aussi, je suis très content de le voir. À chaque fois qu'il revient, on compare notre taille. Cette année est l'année que j'arriverai aussi grand que lui
Je peux le sentir dans mes os. Toi et ton frère semblent proches. C'est bien. La famille est importante. La famille est importante. Hey, qu'est-ce que tu fais avec l'album de photos de Basile? Oh, je lui ai donné. J'ai pensé que il pourrait l'avoir. Vraiment? C'est cool de ta part. Ça fait sens. Surtout que depuis que Nino va se déplacer. Quoi? Et ça y est, c'est parti. Nino, déménage? Oh oui, j'ai pensé que je l'avais dit déjà. J'ai oublié. Je vais au cas où. Hein. Je suis désolé, mais au cas où. La pression, là. Je pense avoir oublié. Et oui, il part dans 3 jours, je pense. Désolé de te le dire maintenant. Oh. Non, je pensais que... j'allais louper. Désolé. Est-ce que je peux être excusé? Je vais aller dans le... Oh purée. Je vais aller dans la salle de bain. Est-ce que je peux quitter la table? Qu'est-ce qu'il a? Ouais, je pense que c'est que comme ça. Il est comme ça. Quand tu dois y aller, tu dois y aller. Mais il veut pas aller aux toilettes, là. Mais on peut... S'il vous plaît. Non mais pourquoi regarder les photos, mais, s'il te plaît. Non mais... On va s'arrêter là, hein. Tout va aller. S'il te plaît, Basile, s'il te plaît. Oh, c'est toi. Tu es là. Je suis content. Tu peux le voir aussi, toi. Quelque chose derrière toi. Nino, pourquoi tu as l'air d'avoir peur? Nino, tout est ok, n'est-ce pas? On va regarder dans le... Ok. Nino, pourquoi tu as l'air d'avoir peur? Est-ce qu'on peut s'en aller? Attends, Nino, ne me laisse pas. Je veux bien, hein? Pas encore. Que j'aurais pas dû partir aussi. Non mais je peux rentrer? Vite! Faut dire ça à la nurse. L'infirmière, s'il vous plaît. Hey Nino, je pense que c'est le moment de rentrer. C'est vraiment la fin de ces... On a vraiment dépassé le couvre-feu. Polly, si tu as vraiment besoin de moi, voici mon adresse. Je vis juste à côté. Merci, Kel. C'est rien. Dis au revoir de ma part. Vas-y. Est-ce qu'on peut parler à elle? Tu demandes réellement ce qui va pas? Je ne suis personne vraiment, juste une infirmière qui prend en charge la grand-mère de Basile. Il y a quelques mois, les parents de Basile m'ont employé pour faire attention à Basile. Vu qu'il traverse le pays. J'ai essayé de faire autant que je pouvais pour Basile, mais depuis que je suis resté ici, j'ai l'impression qu'il m'évite. J'ai l'impression de faire quelque chose de mal. Est-ce qu'on peut... Tu peux venir avec moi, Kel, ou... Tu peux peut-être nous aider. Basile. Pauvre gars. Il a vraiment un mauvais estomac. Oh, puis Phil Peterson. Mais s'il te plaît, tu peux dire... Non, mais s'il te plaît. Non, mais on est obligé, hein. Là, on rentre. Et on s'en fiche, là. C'est ça, l'histoire?
Mais ça, c'est chez moi. Je fais chez moi, hein. Je fais genre, je te connais pas. Salut. Salut, hey, Nino, merci d'avoir traîné avec moi aujourd'hui. Désolé pour le problème. C'était vraiment une aventure folle. Ouais, je peux te dire que on a vraiment pas parlé depuis un moment. Mais c'est ok. Ça prend un peu de d'expérience, d'essai quoi. Hero revient du collège demain, donc je suis sûr que tu voudrais qui voudrait que te voir avant que tu partes. Mais là, tu sais que Basile va pas bien là. Mais parle le wesh. Je suis archi pas d'accord. C'était quoi ce son? Bah écoute, y a pas vraiment d'endroit où aller. On va passer par là. Hein. Non, mais pas le couteau. J'en ai marre. On est toujours obligé de prendre le couteau, j'en ai marre. On peut pas aller là-bas. La porte là-bas. Il a dit la porte. Il y a toujours moyen d'avec la porte, il a dit. Mais non, mais s'il te plaît, la porte. Non. C'est rassurant comme ambiance, dis donc. T'as pas du tout envie de craquer. Allez, on peut avancer, s'il vous plaît. Oh là là, les marches comme ça, c'est longue, c'est insupportable. Continue. Allez. Ça va, très tranquille, c'est bon. On continue. Ok, c'est loin. Hein. Ok, t'as peur, mais c'est pas grave, on continue. Et on peut monter là. Ah d'accord, il y a ça en face, ok. Faut s'en débarrasser de cette peur là, faut qu'on fasse autre chose. Allez, s'il vous plaît. C'est qui? Marie? Oh. Ok. Ok. Non mais je peux comprendre Nino. Déjà qu'elle était pas rassurante dans l'autre monde, là elle est encore moins rassurante. Heureusement que j'ai pas les deux écouteurs, hein. Franchement. L'ambiance. Ah, on va se battre contre ce truc là? Si tu veux, j'ai quoi comme skin? Calm down, je peux avoir de la vie, vas-y. De toute façon j'ai le couteau là. Ah oui, je suis apeuré, d'accord. Non mais ça fait rien. Je m'enfuis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais me calmer. C'est bon, je pense. Ah c'est bon, je suis neutre. Allez. Des mandibules dans la tête. Mais ça fait rien. Je peux m'enfuir ou pas maintenant? Ça ne va nulle part, Nino. Toujours pas. C'est something, c'est quelque chose. Donc là, il m'a rendu. J'ai moins de vitesse. Ok. Est-ce que
excusez-moi, hein, je vais garder de la vie. Hein. Tu dois bloquer les petites choses et faire attention à ce qui est important. Ah, faut que je me focus. Ok, là je suis en train de battre le truc, j'ai l'impression. Ok. Ok, du coup ça, là ça va. Tout va bien. Je redescends ou pas? Je peux aller qu'est-ce qui se passe? Non? Je peux aller dans ma chambre, j'imagine, uniquement. Peut-être aller voir du côté de la salle de bain, histoire de voir s'il y a toujours mon ombre. Donc je me lave les dents. Bon, faut que je me lave les dents, d'accord. Ok. Je suis plus là. Ok. Là, c'est la chambre de ma maman, normalement. Sauvegarder, on va sauvegarder. Et on va s'arrêter là, dès que je suis allé dans la chambre, hein, je vous le dis. C'est juste qu'on a passé quelque chose qui était dur, là. Oui. Ok, donc c'était la pression. Oh, c'est pas fini, s'il te plaît. Laisse-moi dormir. Ah, ça, c'est les feuilles. Ok, donc ça, c'est là, il psychote sur sa... Oui, le plafond, hein, normal, c'est le truc le plus regardé. Oyazumi. Alors, je sais pas ce que ça signifie, mais... Sympa. C'est sympa. On s'arrête là. Hein. Bienvenue dans le White Space. Tu as été ici autant que tu t'en rappelles. Et voilà. On a fait un tour. Bon, bah du coup, on avance, on va aller du côté de... On va retrouver Kel et Aubrey et tout. Peut-être que le carnet va changer, mais... Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas sauvegarder tout de suite. Mourir, bienvenue. Bon, on va s'arrêter là. De toute façon, on a sauvegardé avant. Eh bien, dis donc, c'était intense. Bon, je vous rappelle toujours, je vais rajouter des trucs, je vais rajouter harcèlement et... Parce que bullying, je sais pas si c'est harcèlement, il faut que je vérifie. Et je vais sans doute rajouter... sexisme, parce que la manière dont ça s'est passé là dans l'église, c'était clairement ça. C'était intense. Aujourd'hui, c'était intense. On a appris plein de choses, mais bon... C'est pas fun. C'est clairement pas fun. Ça met la pression. On est là pour ça, j'ai l'impression. Donc, Je sais pas. Bon, j'espère en tout cas que c'était cool pour vous. Parce que, bon, moi j'ai un peu prié cher. Mais j'espère que vous avez pas prié autant cher que moi. Vous inquiétez pas, hein, j'arrive à encaisser ça, en tout cas. Je vous fais sans doute des bisous. Ah oui, peut-être que je vais faire un truc style promo histoire 2, parce que faut pas oublier quand même les bases de Twitch. Hein. Il y a quand même un game, hein, soi-disant. Ce game-là, il permet surtout, principalement, de faire fonctionner Chronologie des Femmes Artistes, qui est donc du coup le jeudi. Le jeudi à 21h. Vous pouvez retrouver bien entendu tout ce qu'on fait avec Nibbler
sur YouTube en archive. Vous pouvez aussi retrouver le fil d'actualité qui n'a pas vraiment été actuel parce que j'ai pas tweeté aujourd'hui. Mais voilà. J'avais oublié. Il y a Survivalist en plus sur YouTube où vous pouvez vous amuser à voir que je galère. Ouais, bah, en fait c'est mignon comme en forme, mais pas en fond quoi. Bref. Ouais, donc du coup le truc c'est je te fais des bisous hein, Tomato Jules, hein. Je t'envoie plein de cœur dans le chat. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et du coup, bien entendu, j'ai pas mis tout, hein, je crois que j'ai pas mis tout. J'ai oublié de mettre les appels aussi pour Petit Cancan, Petit Cancanon, qui nous régale le mardi à 20h. Du coup, c'est en semaine B, donc du coup, il y aura la démo. Alors la démo du jeu d'enquête qu'on avait commencé il y a 2 semaines maintenant. Sinon en semaine A il y a Last of Us 1, pas le 2 cette fois-ci. Il y a quoi d'autre? Il y a Histoire Crépue bien entendu, si vous voulez aller voir le replay, il y a tout là-bas. C'est intéressant, il y a beaucoup de discussions, j'en ai parlé déjà au début du stream, mais je vous conseille d'aller voir. Quoi d'autre? Ah j'ai oublié, j'ai fait une faute. Histoire Crépue. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis une Histoire Crépue peut-être? Je sais plus comment j'ai écrit ce truc. Qu'est-ce qui se passe? Il fonctionne pas aujourd'hui? Je sais plus. Bref. Je regardais vite fait. Mais voilà, n'oubliez pas, je regarde en même temps les commandes. Ce qui manque. Si, c'était avec le S, pourquoi il n'a pas fonctionné? Ok, là, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Et surtout, n'oubliez pas, parce qu'on a utilisé, on a cramé tous nos 2 gigas le mois dernier. Et du coup, un peu d'aide pour avancer sur Chronologie des Femmes Artistes, c'est cool. Voilà. On est toujours en 720p, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit au début, mais on est toujours en 720p. Bon, alors, du coup, on va garder un peu ça, histoire de vérifier que tout se passe bien, et qu'on arrive à bien gérer. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Je vais vous laisser peut-être une musique un peu plus rigolote de Omori. Attendez, je vais vous en trouver une vite fait parce que j'avais gardé des trucs justement de Omori. Hop. La musique du recyclage. Alors, je vous montre ça rapidement, comme ça vous allez rigoler avec moi. Hop. Est-ce que on peut voir du coup le... Voilà. En fait, il y a une chaîne avec toute la playlist. Donc, je me suis pas spoil, mais il y a des chansons qu'on a déjà entendues. Et je vais vous laisser avec ça pour partir. Voilà. Des bisous, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, Omori, c'est interdit pour ceux qui ont... Enfin, c'est interdit. Vous choisissez selon ce que vous voulez. Mais c'est un peu traumatisant. Voilà. Je vous fais des bisous. Au revoir Tomato Jules, à plus.